Et voilà, bah tiens mon gars, voilà, voilà mon gars. Thank you.
Et bonjour, bonjour, bonjour à tous. Bienvenue sur le live. Comment ça va ce matin? On est là, tranquillou. Ça y est, la mise à jour vient de sortir, c'est officiel. On a la dernière saison de Warzone qui est officiellement de sortie. Et je pense que ça va être une saison un peu... un peu spécial, on va être sur vraiment une attente assez assez incroyable. C'est vrai que c'est un peu celle qui va devoir nous faire attendre avant Warzone 2. Ça va être vraiment la... Ça va être la saison dure, hein. Ça va être la saison où on va être vraiment... J'imagine les derniers jours, parce que celle-ci va durer quand même 83 jours. Donc les saisons sont en moyenne sur du 55-65 jours, on va dire une moyenne à 60 jours. Là, on est plus quasiment sur du 3 mois. Que sur du 2 mois. Donc, on est un petit peu toujours sur notre fin quand on arrive au bout des. Quand on arrive au bout des 2 mois. Tu vois, on sent que commence à y avoir moins de joueurs, moins de ceci, moins de cela. Là, je sais pas du tout comment ça va se passer. Je vous avoue. Parce que si on a un peu de mal à avoir du monde au bout des 2 mois, comment on va faire sur le dernier mois? C'est surtout ça que je me pose comme question. Alors, mis à part ça. On va parler quand même des nouveautés, parce qu'il va essayer de nous mettre un petit peu en haleine, j'ai envie de dire, si on peut dire ça comme ça. Tout ce qui va nous faire temporiser sur le jeu, ça reste toutes ces petites nouveautés qu'on nous a ajoutées. Qui sont des nouvelles armes, comme d'habitude, un nouveau goulag. Qu'il faut un petit peu apprendre là et quelques petites modifications de map. On attend de voir, hein. Qu'est-ce que c'est ça, Charity Stream? Ok. Salut le Powwow, comment il va? Tu joues plus avec Black? Je joue toujours avec Black, Skyzo. C'est juste que tu as suivi ses réseaux sociaux. Skyzo. Tu es au courant de ce qui s'est passé. Skyzo, c'est obligé. Skyzo, si tu es venu pour me dire que je joue plus avec Black. C'est-à-dire que tu connais beaucoup Black, c'est que tu suis beaucoup Black. On est d'accord que tu as suivi ses réseaux sociaux. Non, pas sur les réseaux. Ah! Tu n'es pas au courant. Donc en fait, c'est pas que je joue plus avec Black. C'est que Skyzo... Regarde, je vais te faire un calendrier parce que je pense que Skyzo doit venir peu sur le live ou sur son live. Parce que on a eu un tournoi le... c'était le combien? Du 12 au 15. On a joué ensemble le dimanche 14 décembre. Qu'est-ce que je raconte? Le dimanche 14 août. Donc ça fait une semaine et demie qu'on a joué ensemble avec Black. Et je l'ai rejoué avec lui le mercredi 17. Mais, donc ça veut dire que clairement ça fait une semaine. Mais notre cher ami Black est devenu papa. C'est-à-dire que il a eu un enfant. Et que tu sais comment ça implique hôpital, blabla, etc., etc., maternité, tous ces trucs-là. Black n'est pas trop, trop disponible. Et tu le comprendras. Bijoule. Donc, non, c'est vrai que je joue pas avec Black depuis une semaine. Bah, parce qu'il est papa. Tu vas bien? Avant, je travaillais pas, alors je voyais souvent. Mais avec le taf, je suis là rarement. Bah oui. Mais c'est pour ça que ça m'étonne que tu arrives en disant que je joue plus avec lui. Alors qu'en fait, c'est toi qui es moins là. Tu devrais dire, je suis moins souvent là, tu joues toujours avec Black?
Ça t'arrive toujours de jouer avec Black, tu vois? Salut. Là, tu es arrivé en disant tu joues plus avec Black, comme si tu venais régulièrement et que du coup, bah, régulièrement, tu ne le vois plus, tu vois. Alors qu'après, finalement, bah, c'est toi qui me dis que. Attendez. Biberon, couche, petite nuit. Ah ouais, il va galérer un peu. Il va galérer un peu, le boys. Changer d'opérateur. Coup de chaîne Okinawa. Oh bien, salut les boys, comment vont? Comment tu vas? Ça va et toi? Oh. Alors, cette nouvelle saison. Ça va, il y a des trucs bien et des trucs moins bien. Je vois plus les deux, vous étiez souvent ensemble. Souvent, ça c'est pas vrai, hein, Skyzo. C'est pour ça que je suis étonné parce que Black, j'ai jamais autant joué avec lui récemment que. Non, sur Verdansk, que j'ai quasiment jamais joué avec lui quasiment. C'est pour ça que je C'est suis un vrai. peu étonné en fait, tu vois. Donc je pense que Oui. soit Bonjour tout le le peu monde. de fois où C'est les gens très bien. viennent, ils nous voient ensemble. Et du coup, bah, coïncidence, tu vois. Et Black, c'est mon meilleur ami depuis. Depuis trop longtemps. Depuis genre. Beaucoup trop longtemps. Et le truc, c'est que bah. On joue pas souvent ensemble, justement, tu vois. Donc je pense que tu dois faire partie de ceux qui. Bah, le peu de fois où tu viens, tu nous vois ensemble, tu vois. Mais je joue toujours avec tous ceux avec qui je joue. J'ai jamais eu. J'ai eu zéro dispute avec qui que ce soit. C'est juste que les occasions, ça va, ça vient, tout le monde a sa vie, tout le monde a son truc, tout le monde a ses organisations de stream, tout le monde fait ses Oui. affaires et. Black, c'est le premier streamer que j'ai vu sur Facebook. Le premier. Ouais, bah à l'époque, on n'était pas nombreux, hein. Et lui, il a Moi, le commencé un premier, petit c'est peu avant Fonzie. moi. Eh Et bah, après, t'es gâté, hein. j'entendais un rageux. En fait, c'était Black. Ah mais du coup toi aussi tu me voyais jouer avec Black toi. Au début, non, tout au début, hein, vraiment tout au début. Tu jouais un peu plus souvent, oui, avec Black. Ah bon? Vraiment au Mais. début. Moi Ah j'ai oui. Eh mais vous seriez étonné les gars, vraiment, vous seriez vraiment Non, étonné. Hein. mais au début, non, mais pendant un moment, t'as joué avec. Après, ça a été, après t'as fait tes joueurs. Lui, pareil. Je sais pas ce que vous appelez le début. Parce que on en parlait justement récemment avec Black, on Au moment disait du que. Covid. Au moment du Covid. Ouais, le premier Covid. Moi, c'est le Covid, je crois, C'était que au j'ai moment. Ouais, découvert. voilà, c'était au C'était premier l'hiver. Covid, Fonzie. Parce que Black, je sais qu'on se faisait souvent des raids, tu vois. On s'envoyait du monde, etc., etc. Mais jouer ensemble, ça nous arrivait vraiment très peu, tu vois. Mais Au après, peut-être premier c'est. Covid, bah, Après, je pense que c'est plus pour moi, facile si pour vous de vous tu. rappeler que moi, hein, peut-être, hein, parce que. Ouais. Fermé à la maison. Voilà. Putain, je l'entends de loin. Peut-être Non. c'est. Ouais, Peut-être j'ai le micro. D'un autre côté, je suis à Nouméa, donc. c'est moi, je suis Barjo, enfin, ça se trouve, je vais souvent avec lui, mais j'ai la sensation que je vais pas souvent avec lui. Non, sur Verdansk, tu jouais plus souvent avec Black que sur Caldera. Bah, Caldera, il n'aime pas trop aussi Black. C'est bien probable. Ouais, c'est possible. En tout cas, il n'y a rien, il n'y a pas de truc que je pourrais jouer avec Black demain Il y si avait j'ai même souvent envie. aussi celui qui chuchote tout le temps là. Ah, comment il s'appelle? Kump? Ouais, il y avait que, mais il chuchotait, mais non, un autre. Comment il s'appelait? Il joue souvent avec Black. Ouais, il jouait souvent avec Black. Ah putain, Tonix. ça va me revenir. Tonix, ouais, C'est voilà. quoi les nouvelles armes? La SWAT Scum Isco Hydron. Non, je pense pas que c'était Kump Isco Hydron. Je pense que c'était Kump Isco Sub Chaussot. Powo. Ou Soso même Ou encore. Chaussot. Mais c'était pas Hydron. Hydron, c'est chez Fox, ça. D'ailleurs, je joue plus régulièrement avec Hydron maintenant qu'avant. Je joue avec Grumpy aussi. Oh, mais ça, c'est. Là, c'est l'inverse. Ça, c'est. Aussi Grumpy, ça Grumpy. fait longtemps.
Ah ouais, Grumpy, ça fait un moment aussi que lui, il joue plus trop aussi. Non. Ah ouais. En fait, c'est ça aussi le truc, c'est que bah, moi, je peux pas forcer les gens à stream. Hein. Je peux pas vous dire, regardez, j'ai regardé Grumpy, mais je crois que Grumpy, ça commence à faire un petit moment. Ça fait un mois et demi. Non. Il a joué une fois le mois dernier, 3 heures, et après, il a joué il y a 2 mois. Vous voyez, après, je peux pas. En fait, je sais c'est quoi la sensation. C'est le fait que moi je sois là. Un stream le matin, un stream le soir. Je suis là 2 fois par jour. Quasiment 10 heures. T'additionnes sur le mois, vous avez tellement l'impression de me voir. Me voir, 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 me voir. Que vous vous dites, putain, mais il s'est passé tellement de streams où il a pas fait de co-stream qu'on a l'impression que je suis disputé avec les gens. En vrai, non, même pas. Regardez ce soir. Ce soir, je voulais organiser un Wager. Wager du 1v1, je voulais faire. On va le faire. Et on va le faire C'est pour chaud du vous. RVRVR. Non, juste C'est bon. 1v1. 1v1 duo. Ah. Mais j'ai reçu un message de comment il s'appelle? De Fox. Et il m'a dit, est-ce que tu me réserves ta soirée? Je lui ai dit, bah non, je suis désolé, j'ai déjà prévu avec les viewers, tu vois. Bah voilà. Du coup, je fais priorité à vous. Alors qu'en vérité, bah, j'avais l'occasion de pouvoir faire un co-stream. Et après, dans 2 jours, on va me dire, ouais, mais pourquoi tu joues plus avec Fox et tout? On va faire combien de places là? On va être en 1v1. Donc on est 4, on peut être 8 au total. Donc 7 places de solo. Ok. De toute façon, on peut prendre cette place. Yo le Tom Tom. Alors, on a une dernière petite place, les amis. Aujourd'hui, je vous ai déjà dit, je vous le répète, je. À 11h30, t'es parti. Non, peut-être midi, on va voir en fonction des games. Ça switch. Et ça, on le passe là. Ok. On est bon quoi les gars? On balance en trio? Et la gamine, je sais pas. On se motive à faire Allez. quoi? Vous voulez faire une opération dernière chance? Alors moi je découvre, hein. Je viens de faire la mail. Pas mettre plus de 2 heures. Par contre, ça me les pompe. Mais d'accord, regardez, ça bloque. 30. 31. Je suis à 30, mais ça me monte pas plus. D'accord, c'est une belle arnaque. Je savais pas qu'on pouvait pas monter à plus de 2 heures. Alors là, en fait, on a un mode de jeu, les gars, qui est nouveau, mais qui est assez Ouais, intéressant pour monter explique. vos armes. Vous allez avoir des emplacements sur la carte, qui ressemblent à des flèches avec des bombes. Et s'il est grisé, vous ouvrez un coffre autour de vous et vous tentez de trouver une bombe. Ok? Probabilité 8 chances sur 10 d'en trouver un, tu vois. Mais en 10, il va rejoindre la prochaine. Oui, Il merde. croit qu'on est 4. Non, on est 3, il l'a vu, mais.
je pense. On ne s'inscrit pas. Non, on s'inscrit solo, Tom Tom. On va tenter un solo ce soir. On a envie de changer un peu la thématique et on s'inscrit seul, ouais. Donc je disais, je reviens, je reviens. On est bien 3, il rejoindra la prochaine, il n'y a pas de souci pour le 4, etc. Vous allez avoir des bombes grisées. Vous pouvez vous y rendre avec une bombe que vous trouvez dans les coffres. Vous trouvez facilement les bombes, il n'y a pas de problème. C'est genre 8 chances sur 10 d'en trouver un dans un coffre. Et vous devez la poser pour faire exploser. Au total, il faut arriver à en faire exploser 8. Mais il y a la possibilité aussi de les désamorcer. Donc désamorcer, vous avez besoin de rien. Vous allez juste devant la bombe et vous désamorcer. C'est un peu long. Mais dans les coffres, vous allez trouver des outils de désamorçage. Quand vous prenez les outils de désamorçage, ça va plus vite pour désamorcer. Si vous désamorcez 8 bombes, au total, on a gagné aussi. Okay, ça, c'est l'objectif principal. Après, vous réapparaissez autant de fois que vous voulez avec vos armes. Donc ça, c'est le côté intérêt de monter les armes. Là, moi, par exemple, je vais... Enfin, genre, c'est le moment d'en profiter, quoi. Et voilà, quoi. Du coup, c'est un peu compliqué. Il faut un peu se focus sur, on va dire, détruire, détruire, détruire ou l'inverse, quoi. Il n'a rien écouté, vous allez voir. Tiens, dans 2 secondes, il va me poser la question. On va bientôt y aller. Parce que pour moi, il m'a fait une photo écrite sur le front du coup. Waouh! Merci pour le follow. Il était 20 dans rien, 6 semaines et tout. Là, faut prendre l'habitude, c'est qu'au début, tu as des armes, tu peux niquer déjà des bonhommes. Ça, c'est pas mal. Ah, je l'ai essayé un petit peu juste avant fin du le mode. Il est sympa. L'entraînement est terminé. C'est le moment de montrer que vous avez bien retenu la leçon. D'accord. Bah, c'est le temps qu'on ait un quatrième qui arrive, parce qu'après le mode il bug un peu, enfin c'est pas qu'il bug mais si vous êtes sur PS4, il y a des chances que ça le tienne pas, tu vois. Une forte chance. Ok. D'enfer Rochereau. Bon, on te suit alors. Si on va essayer de désarmer celle-là. Vas-y. Moi, mon kiff, ça serait de désarmer. Faut savoir un truc, c'est que quand vous posez les bombes, après vous devez la camper pour qu'elle soit détruite, quoi, pour qu'elle explose. Ah, ils ont changé. Il fallait faire fêter 8 bombes, maintenant faut en perdre 6. Putain, c'est super dur. Bah voilà. Ah ouais, vous avez vos armes. Hein. Et c'est quoi le par contre ça là, ce que tu viens de prendre? Les jetons, c'est pour l'événement. Merde, j'ai raté la bombe. Oh, mais ça non. N'importe, ça va être. Oh, bah ok, ouais, elle a quitté. On va poser juste 2-3 bombes, je pense, et on va le rejoindre. On va le récupérer.
c'est pire. Adieu. Ah ok, non, on est à deux en fait. Ah ouais, il a quitté. Enfin, il a bugué je pense. Ouais. Il a freeze, bah ça arrive. J'ai un ballon. Hein. J'ai mis la boîte de plaque parce que je m'attaque. N'importe. Par contre, faut qu'on amorce maintenant. Enfin, tu peux en amorcer si tu veux. Si t'arrives à trouver une petite bombe cachée dans un coin et tu peux l'amorcer, oui. Faire péter une troisième. C'est la nouvelle arme avec toi? Non. Non? Ok, ça non. C'est un sniper, le Garenko. Tu vois qu'il est trop fort. Ah, trois lignes. Non, 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 le Garenko. C'est un jeu, attendez, il disait. Il a désamorcé devant moi, putain j'ai même pas vu le mec. Ah, j'ai merdé là. N'oubliez pas l'objectif, faire exploser les Ah bah je suis mort. Non ils sont bien, on est que deux, ils sont en quatuor les mecs. J'ai déjà fait péter deux bombes mais... On va faire un bac hein, je pense. Hein. Je suis pas sûr que Kouchen il va y arriver à... Moi je vais peut-être pas arriver à combler pour deux non plus tu vois. On fait un bac, ça va être chiant. Il va être 4 les mecs, ça va être trop lourd. On va essayer de jouer en normal. Alors, qui c'est qui veut nous rejoindre, les gars?
Nickel, let's go. Bah désolé, hein. Bah ça arrive, c'est pas Voilà. grave, c'est pas grave, mais tu sais, Ça va? ça allait Ça pas va rester toi? longtemps Bonjour à très tous. intéressant. Impeccable. Bon matin. Ouais. Ah, c'est depuis 6 heures, ça. Putain, ça pique. 6 heures juste pour m'attendre, c'est fou ça. Non, j'ai été déposer ma femme et mes enfants à l'hôpital. Bah arrête, tu sais très bien que c'était pour m'attendre, arrête de faire genre. Aujourd'hui, je vais avoir deux Brio. Nordi, s'il me comprend, à la maison. De Brio? Deux. Attends, je t'excuse. Deux Brio, là. De voyous. Ils vont rentrer, ils vont pleurer. Mes deux enfants. Mes deux fils. J'ai jamais gagné une victoire à pillage. J'en ai jamais fait quoi. Enfin, j'en ai jamais fait. J'en ai jamais gagné. Ich, ich. Let's go! Bienvenue à tous ceux, c'est la pire saison du jeu. Ah ouais, Jonathan, pourquoi tu penses que c'est la pire saison du jeu? Là, il est dur, hein. Là, il est un peu dur, hein. Bah attention, moi je pense que la pire saison c'est la saison 1. Mais après je pense que la saison 5 est la moins bonne, ouais. Ça veut dire qu'on considère que toutes les nouveautés qu'il y a, celles d'avant ne comptent pas, tu vois. Alors que la saison 5 est meilleure parce qu'elle englobe la 2, la 3, la 4, évidemment. Mais je pense que la meilleure saison, c'était quand même la saison 4, là. Pour moi, la saison 1, c'était la moins bonne puisqu'elle n'était pas prête. C'est encore un jeu pas prêt, quoi. Faites attention, il y avait une loupe ici. Elle est vide, rien n'a changé à part deux armes pour faire payer les packs. Ouais, il y a de nouvelles armes, il y a le changement à pic, il y a le changement. Ah, mais vous êtes des joueurs à résurgence. C'est bon, je l'ai.
Il y a des nouvelles pièces. Y a... Pour les joueurs Ah, il résurgence. y a Non, mais pour la résu, ça change rien. Il s'est rien passé pour la résu. Bah, alors, la pièce, il pas dans la chose à résoudre les pièces. Sur moi, il y avait quelqu'un là. Mais je sais pas où, parce que la porte elle était déjà ouverte. Pour ceux qui jouent beaucoup sur Caldera, il y a du changement. Là, Ça, là. c'est. Ça, c'est pas vrai, ça. Tu peux pas te faire dire qu'il y a rien, tu vois. Comme il dit, il y a des nouvelles caisses, il y a des nouveaux atouts, il y a de nouvelles armes, un nouveau goulag, un changement à pic. Bah on a eu la même sur mode normal Tom Tom. En début là, enfin en début, je sais pas trop ça. T'es pété, et... ping bleu là. Il y en a un qui se barre là-bas, et là qui est encore le gars. Putain, la nouvelle arme laisse tomber. Hein. À terre à droite. Elle à bouge droite, à mort. Non, elle bouge pas, ça c'est faux. Ok. Elle bouge pas. Je te la donne. Tu veux, vas-y, mais elle bouge pas. Les deux sont morts. Faut la recharger, recharge-la. Mais ça, tu peux pas dire qu'elle bouge, c'est pas possible. Ah, franchement, pour moi, j'ai l'impression, je te jure. Non, mais non, ça c'est. Non, elle bouge pas. À terre. Crac. Vous mettez une pinceau? Non, 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 je peux pas dire ça. Je peux pas dire ça. De quoi? Je peux pas dire que la nouvelle arme elle bouge, c'est pas possible. Ils sont au-dessus de nous, hein, ils nous attendent au-dessus de nous. Vas-y, prends le bunker. Ouais, je vais prendre le. C'est une nouvelle arme, fusil laser, mais le truc c'est qu'elle a la précision au max et la cadence au max. C'est incroyable. Genre elle est vraiment abusée en termes de précision, justement elle ne bouge pas et la cadence est folle. Après il faut savoir viser, hein. Ça c'est autre chose. Je pense peut-être que c'est parce que c'est la première fois que je la prends et que je l'ai trouvé un peu... Le viseur est pas ouf sur ce que t'avais là, tu vois. Ah, c'est peut-être pour ça, mais tu vas la réessayer, tu vas tirer sur un mur et tu vas te rendre compte qu'il n'y a aucun recul, quoi. Bah il vient pas. Et Christophe, c'est un mode super camper, non? Le quoi, le nouveau mode? Moi je l'aime pas vis-à-vis de... Je l'aime pas vis-à-vis de justement de sa cadence. Je suis pas du tout avec sa cadence, hein. Je suis un gars, je suis un éclaireur à la base. Hein. J'ai joué que des éclaireurs sur les FPS. Alors... J'ai pas mis un seul hit sur son armure. Hein. Moi, tout ça quand je suis dedans, je me suis sorti en 2-2 sur l'hélico. La droite, la droite. Tu vas faire ton beau là-haut là. Il y a un ballon, ça m'a dit. Vas-y, passe-le, passe-le. Merde, vas-y. J'ai posé pour la mode. Putain! Bon bah dommage. J'ai de choc, je croyais que j'étais plus haut que ça. Allez, on va regarder. C'est celui de là-haut, ça?
Tu as ouvert un largage? Ah bah, si on a fait. J'arrive, j'arrive. Posez les thunes, hein. Pas grave. On va se reposer. Putain, maintenant il y a un peu plus long de voler là. Il est où sur le toit? Merde. Il y en a juste là. Au ping vert, juste au ping vert. Toujours? Il a sauté au ping vert. Oh, je l'ai dit, je l'ai dit au flight. On a raté. Il a sauté. Pas besoin de la recharger. Hop. D'accord. C'est à toi la nouvelle arme, Marlise. Là, là, là. So, puis il descend. Il y a du monde à beach, hein, sur la plage, hein. Lagune, à lagune. Ah, toi t'es... Okay. Mais je fais du repérage, là. Non, non, non. Repérage de nous sur les réseaux. Ouloulou. À terre au niveau de la plage. Putain, le C4 maintenant il a changé. Il met des dégâts, mais ça se fait pas. Tu les vois du coup au niveau du transit là? Sur le pont là. Ah bah. Je t'ai vu en plein. Ah, quel coulac, c'est vrai, il a changé. Il peut m'aider ou pas? Ah, c'est pas un fer, les gars. Putain. Je les ai mis à terre. Putain, je suis monté à 1800 de dégâts rien que sur eux, quoi. Vas-y, Okinawa, hein. Prends ton stuff et va vers là-bas. Hein. Commencer à les tuer les mecs là. Non bah annule Okinawa. Ouais t'es entre deux feux là. Ouais, c'est chaud.
Il a déjà fait 10 tirs, 9 tirs. Wow. T'as vraiment pas bien allé lancer. Ça va vite là. Ah bah il faut... Eh hey, écoute Chen, il faut prendre son café ce matin là, il faut se réveiller, wake up, let's go. Non, je suis pas sur la première gardée là, je vais la prendre. Oh putain, c'est quoi ce coup lag? Ah bah quand ton équipe elle fout rien, bah les autres ils en profitent hein, tu vois. Juste que d'habitude on est un petit peu plus agressif et... Non, je connais pas ce coup lag en plus. Quoi les chargeurs? Une Vargo, je vais la prendre. Votre coéquipier n'a pas réussi. Oh non. On le ramène à la base. Kinawa, il a pas d'excuses, il est réveillé depuis 10 heures. Et quelle heure chez toi, Kinawa? Kinawa? Ah, y'a plus de réseau chauffé. Là il est 19. Si, si, non, il est 19h. Des fois je coupe le micro parce que le fils il fait un peu de bruit des fois. Ah, pas de problème. Bon, ça va être chaud là. Il reste que 19 joueurs. Il y a un joueur qui veut prendre le camion, j'ai mis double C4 dessus. Pour l'ennemi. Oui. Je pense qu'on va se manger un laser dans quelques secondes. Bah genre ça commence déjà à me jouer, ouais, je regarde. Rejoignez le nouvel emplacement. Ouais, so snipe et tout, I'm dead, I think I'm dead, d'un instant là. Une frappe qui est partie, elle a même pas une étoile, j'aimerais bien savoir où elle a tapé. La braderie. On va se sacrifier pour vous les gars. Non, c'est pas la peine. On m'a renvoyé une frappe à dispersion. Ah non, c'était pas le camion les gars, c'est un piège à la base. Hein. Oh les enculés. Ils ont niqué mon piège. Bon, je vais essayer de pouvoir passer mais... Pour rejoindre la zone de sécurité. Bien joué. Bien joué. Oh. Le drone commence son survol. Attends. Allez, allez, allez. Le drone est à court de carburant, il rentre se ravitailler. Code de mule.
Y'a un mec vers là où vous allez, hein, Shinawa et Kuchen. Moi je l'attends, mais. Non, mais je suis en l'air. On m'a pas. Je suis au sol. Ils ont enlevé le silencieux sur la bleue. Il y en a un crack devant toi, Okinawa. Faudrait que tu viennes recule. Essaye d'aller en zone plutôt. Mais en reculant, vers. Je suis en bas, il va essayer de remonter vers toi là, juste en dessous. Il va sûrement essayer de monter à la tour et sauter. Un laser par derrière en montant là. Que là j'ai pas d'armes. Je vais jouer par derrière. Pas de remonter. Ouais, non mais là vous. Il est pas là tour. Pas du tir. Ah mais on se stack pour un mec, c'est un peu dommage. Faudrait qu'on arrive à descendre sur vert là. Au niveau du vert. Je suis en l'air. Oui, non mais au niveau du sur la mini carte. Je vais essayer de mettre ça un petit peu. J'ai une boîte de mine si jamais si vous voulez. Oh là là, je me fais focus par un stack. Mais là la boîte de mine. Vas-y. Ah merde, de l'autre côté, ok. Oh, c'est quoi le snipe là? Bah tant pis. On va essayer d'avancer les gars, on va essayer de prendre le largage pour eux. Coup de chaîne, observe au niveau du largage. Non, t'as atterri toi? Je suis à terre, okay. Ouais, maintenant j'ai dû venir à terre. Ok, non mais t'inquiète. Il y a un putain de snipe qui me casse les couilles. Il y a un largage devant vous là. Là, au-dessus. Voilà, oh. T'es nordiste. On reste en contrebas. Hein. On va tempérer. Ouais. Ouais, vas-y. Faut prendre un carré pour 3 bom bom. Ouais, j'essaye. Attends. Vas-y. Ok, ils sont hors zone. Je vais éliminer. Ok, ça veut dire que les prochains sont devant, ok. Il a une MP40. Non, ça va, j'ai ce qu'il faut. Il y a une réa qui a été faite. Comme une boîte de plaques, si jamais. Ah, j'ai plus de plaques. Je veux bien, j'en ai aucune et je suis des plaques à devant, ça veut dire. On se pose là. Vous êtes safe là. Oh là là, j'ai pris une tête de juste devant. Voilà. Il y a la fenêtre, ouais. Là. Et en bas. Ils savent très bien qu'on est là, hein. Vous pouvez tirer. Enfin, faut quoi. Ouais, faut attendre. Personne a un ballon, un truc. Je pourrais mettre une frappe si on veut bouger. À terre, moi aussi. À terre. À terre. Jamais, je crois que t'es jamais. Ah, faut qu'on bouge. Ah bah, faut qu'on bouge. Deux qui vont avancer. Deux équipes qui vont se jouer à gauche, une troisième qui doit être un peu à droite dans les hauteurs. Il reste que 9 joueurs. Hein. Là, ils sont à 3.
Ah, ils sont en train de se jouer avec ceux de la hauteur. Il y en a un qui est parti à gauche. Ouais, mais tu vois, ils viennent de la hauteur. À droite. Bah, de notre droite, mais. Dans ta droite de Franzi. Ouais, je me suis bien tiré. Ah, un terre. Tu peux l'achever, je crois, il est crack, il est à terre. Ouais. Le même qui m'a tiré encore. Je sais pas où il est, du côté de. 7, 1, 4 et 3. Il est mort. C'est qui m'a tiré dessus là, ouais. Les deux autres sont derrière le shop, Ils sont en train de se fight. Je leur ai mis une frappe sur eux là pendant leur fight là. Ils ont pas la zone, hein. Prenez les lignes là, prenez une position. Ah là, ici, là, maison, ici. La Borzen, la maison Borzen derrière moi. Celle-là. Trafic ennemi, le gaz avance. Nouvelle zone de sécurité établie. J'ai mis un croquis à notre pied. Pour éviter qu'il nous fasse sur la gueule au cas où. Il a passé. Hack. Mort. Bah les autres, c'est où ils sont. Il reste que eux dans la maison. Il y a deux là. Ah, c'est win. Vous donnez pas, ils sont que deux là. De juste à attendre. Ce serait une petite game, mais au moins ça fait top. Non, faut essayer de pas se faire finir. Ah oui, d'accord. D'accord, moi. Ouais. Gardien de la paix, bah ouais. Un terre. Derrière la maison. Ceux qui ont pas la zone, ils vont sortir. Oh, il a l'air bien, hein. Je suis en train de claquer. Oh, il me wallbang. Putain. Je peux rien faire là, il faut que tu tires en même temps que moi. J'ai la ligne, mais pour l'instant, je l'ai pas. Je me fais tirer dessus. Sur le côté gauche. Un terre, il a un terre debout. Les deux sont à terre, il y a deux sur l'air. Le gaz avance, nouvelle zone de sécurité établie. Ah, qu'ils viennent sur l'air, j'en ai vu. Petite, hein. Bonjour. Petite game. Let's go! Petite matinale, donc petite game. Voilà, on s'adapte. Voilà, exactement, Fabien. On s'adapte, tranquille. Petite matinale. Alors, bang, bang. GG! Petite, longtemps j'ai pas validé un topping à moins de 10, alors à 5 je t'en parle pas. Alors ils reportent quand les WSOW là sur NA là Nord-Américain, ils vont jamais les faire en fait. Thank you.
rien fait. Rien. Non, ils auront une date sous peu, mais ils n'ont pas de date pour le moment. Bon, une date sous peu n'est pas une date. Amethematé. Ohé, ohé. Quoi de news après la mage? Bah écoute, petite modification à pic, de nouvelles armes, un nouveau goulag, voilà. Un nouveau goulag. Il est plus grand, je trouve. Non, c'est impressionnant. Bah en fait, il est comme la prison, toute scène de la prison du tout début. Ah ouais, exact. C'est exactement la même chose, sauf que au lieu que ce soit des murs de prison, c'est des bonbonnes et tout comme ça, tu vois. Ah, mais t'es maté. On commence bien, ça va, un petit topin. Ah, parce que Marvelous, il m'a mis la pression hier. Il m'a dit avant Warzone 2, faut que t'aies les 1000 topins. Vérifiez bien votre équipement. Et il t'en reste 80 à peu près. Je devrais être bien 80, non? On va voir. Sur 80 jours de saison, il faut que j'en fasse un par jour. Donc là, j'ai rempli mon quota. Aujourd'hui, j'ai rempli mon quota. Voilà. Bon, les gens, à demain pour le stream. Méfiance parce qu'il y a des jours où j'en fais pas, donc je prenne de l'avance. Sinon, je tente de les terminer en septembre. Et après, on tente d'atteindre au moins les 500 en résurgence. Ah, là, ça sera un défi. Ça ferait 1000 top 1 et 500 en résu, ce serait pas mal. Ah, il t'a dit 1000 top 1. Il a précisé sur le Caldera ou... Ah, ça fait bien. Ouais. Ouais. C'est pas le même compteur, top 1 sur Caldera et sur... En tourteau de bon mail, du coup. T'es pas gagné, là. Ouais. Non, mais... Résus, c'est faisable, en une journée tu peux en faire 10, tu vois. Vraiment, si. Ah oui, on recharge pas là. Allez, Nikita. Ah, mais des combos. Moi, j'ai hâte de voir comment ils vont jouer les nouveaux coffres. Il y a des nouveaux coffres noirs qui sont intéressants, le chat. En gros, c'est vous ouvrez le coffre et il y a vos deux armes en favori. Les armes que vous mettez en favori, ça vous ouvre le coffre. Et au lieu de tomber sur une arme du sol, bah, vous tombez sur vos armes à vous, tu vois. Que les armes seulement, tu vois. Ah, c'est pas mal. Et ben, j'ai bien envie de voir comment les gens ils vont jouer, tu vois. Est-ce qu'ils vont mettre en favori potentiellement un sniper et une mitraillette, un truc comme ça, tu vois. Le langage d'argent là-bas, il vient d'être pris à l'instant, enfin violet. Ouais, bah, fantôme, hein. Ah, il y a un collier de nuit qui est tombé juste là. Le Mars, notre prochaine destination. Gaz est en train de se déplacer. Ah là 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 là. Tu joues sniper, nordiste? Je pense pas que je vais jouer sur celle-là. Non, je te demandais. Tu joues quoi comme sniper? Sinon, le K98 MW. Oh mon gars,
tu jouerais le Garenko, tu pèterais un câble. Devant nous, devant nous, là. Ouais, je sais, mais j'aime pas sa longueur à son jeu. Ah, tu le mets en full vitesse de visée, hein, de toute façon, il change rien. Hein. J'ai du mal avec les lunettes Vanguard. Sur les snipers. Mais tu le mets en VLK, hein. T'es pas obligé de le mettre en viseur de ouf, hein. Tu sais, tu le mets en viseur simple. Tu verras, c'est une tuerie. Juste du monde, là. Ça parachute. Là, ils sont tous vers là-bas, là. Il y en a 4 qui y vont. Regarde, fais gaffe ce que tu fais, là. Deux à terre, deux à terre. Là, il faut. Ah les gars, il me focus. Hein. J'en ai deux à terre déjà. Ah, moi aussi. Dommage, bien joué. Ici, c'est le goulag. Survivez pour être redéployé. La nouvelle coupelle mitraillette. Non, pas. Enfin, testé. Je l'ai ramassé quelques fois par terre, mais je l'ai pas testé à proprement parler. Oh merde! On peut dire que tu m'avais prévu, Nico. On peut dire que tu m'avais prévu. Un derrière, je sais pas mon costard. Oh là là, il va vous faire une technique, regarde la pile. Allez hop, face. Eh, tu peux monter sur les bidons jaunes en face de toi là. À ta droite. Les bidons jaunes droite. En fait, moi pour tuer des gens, je fais là. Il est dans le carré du milieu. Cool, chaîne arrache kit. Je vous avais dit le chat de pas faire des blagues sur son level. Il est susceptible. Il a pas daigné se montrer. Là, on les a pas finis les mecs là-bas là, les... Non, j'en avais eu un et fini, mais en fait il y avait deux autres teams, il y avait deux teams qui se tapaient dans le truc là. Ils ont réa. Hein. Monte. Bah oui, t'as plus carré. Là je... peux plus monter. Plus de véhicules, c'est bon, j'ai plus d'essence. Nouvelle zone de sécurité identifiée. Les troupes qui arrivent en bas là. Aïe aïe aïe. Là, il faut payer 10 000 et ensuite t'as des petits monstres qui t'attaquent. Enfin, t'as des petits soldats qui t'attaquent. Ouais, 10 000, je l'ai pas cher payé quand même pour tout le spécial, non, ça va.
Bon, eh bien, bonne fin de stream. Bah, avec plaisir, on a eu une petite déco là, donc là, je sais pas si tu vas revenir, sauf s'il y a d'autres personnes qui rejoignent et qui prennent sa place. Non, mais moi je vais aller faire à manger. Ça y est, c'est l'heure. Regardez le live, amusez-vous bien. À chaque fois, j'essaie de venir au début. Ah, bah non, ton appétit, il est 9h. Bon, il dit le faire à manger, du coup, dans ma tête direct. Bah non, mais lui, c'est pas la même heure chez lui. Bon appétit. Moi, tu te fous de moi, parce que j'ai un appétit. Bonjour. Salut Gabi. Bon appétit, c'est vrai qu'il mange tard lui. Enfin, il mange tard, il mange tôt. Hein. Son repas lui commence à 9h15, le gars. Nouvelle prediction. C'est vrai que c'est jusqu'à 12h. Hein. Bien précisé. Jusqu'à 12h. Jusqu'à midi. Aki kaki combo. Achiki chiki chiki chika. On monte la chquette beaucoup moins. Ah. Voilà, ça c'est un vrai costard ça. Est-ce qu'il y a une autre personne qui veut nous rejoindre? Chaîne, il a été déconnecté de tout internet, je crois. Ouais, je pense, parce qu'il est même pas venu sur le chat. Pour... Ou alors il a une urgence. Hello, good fear. Il avait commencé à le monter, le gros Shenko, là. Mais je... Ça aurait pu être un piège, Romain, et tu dis, ah bah non, ça sera à Toby. Ciao, les gars. T'as dit qu'à gérer. J'ai pas réussi hier à clipper correctement une action, c'est dommage. Enfin, en tout cas, elle passait pas sous forme de clip. Ouais, par contre, les 40 jours à entendre leur bruit, là, ça va être chiant encore. À ça d'avoir une maison connectée, coup de chaîne. Gros bug à la maison. Ouais, ouais, c'est souvent comme ça. Merde, je suis trompé. Ah ben voilà, on a un quatrième. Chaman. Ménage en pause. Ça va refaire. Vous étiez qu'à 3. Ça va refaire tomber un topin, ça. Il vient de sortir sniper, il y en a déjà un dans l'équipe. Ouais, Romain. Bon, ils étaient 3. Je vais dire, allez, je lance.
Pikachu combo. T'es souhait. Bon, ça c'est fait. Ce soir pour le duo, vu que ça va être du 1v1, je pense que ça va aller plus vite. Il n'y aura pas de réa, non, il n'y aura pas de ces trucs. Je pense qu'on va la faire sous forme de luxe. D'ailleurs qu'il va y avoir deux poules de chaque côté, de 4, qui vont s'affronter 1v1. Et ensuite, il y aura une autre poule de 4, et à la fin, on fera une phase finale, je pense. Parce que je suis quasiment sûr que ça va aller beaucoup plus vite que en quatuor. Ah bah ça va aller vite, hein, je pense. Bah, ils ont pas le droit de mourir, et tu vois, il y a moins ce côté... Disons qu'ils ont... Ils ont le droit de mourir qu'une fois, ils ont pas le droit de check le goulag, quoi. C'est ça. Là, celui qui loupe son goulag dès le début de la game, il est... Il va se prendre une envolée. Bah, il perd. Je pense qu'il perd direct. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il en manque que 2. 2, et c'est good. Sachant que je valide les inscriptions à midi. Et qu'on doit trouver un clip aussi à midi. Aki, maki, combo. Achiki, chiki, chiki, chika. Il m'a mis cette musique dans la tête, quoi. Comment je peux faire pour reclipper en fait? Moi ce que j'ai fait l'autre jour c'est que j'étais sur la rediff. Genre j'étais sur le clip, j'ai fait afficher la vidéo. Bah ouais mais moi ça me le met en... Ça me le met en moment fort en fait. Et le problème c'est que les moments forts... Ça me le met pas sous format clip en fait. Et moi je passe par format clip pour voir la vidéo. Ouais ouais. Mais la chose, c'est pas vert à la fin de De quoi? Si, mais je ne peux pas. Je sais pas comment je clip. J'ai le moment, le truc c'est que c'est pas un moment, enfin, comment t'expliquer? Quand tu prends un clip ça prend 30 secondes, mais quand le live est terminé, les gens ils peuvent clip encore ou pas? Oui, sur la rediff. Ouais, ouais, sur les rediff. Donc faut aller sur la rediff, donc revoir la rediff et clipper. Voilà. Ok, d'accord. Bah, je vais faire ça alors. Le clip comme tu veux sur une faut que je refasse ça alors. C'est ce que j'ai fait quand j'ai refait le clip avec Vision dans la cover et tout, j'avais refait sur la rediff. J'ai 2-3 clips à refaire alors, parce qu'il y en a qui sont coupés trop tôt ou trop tard.
Il est passé où là? Là, il est là. Il craque lui, il est une balle, il a pris la balle. Et je sais pas, j'ai tombé où. Là, il y en a un qui est en dessous de toi, de Fendi. C'est toi l'orange. Oh là là. Allez. Ah, regardez ce qu'il vient de trouver. On dit pas non, hein. Tu m'étonnes. J'en ai un autre. Alors, sachant qu'on peut tomber sur les caisses. Oh non, pas plus, on a les doubles. Attends, armes. J'ai tenté le Garenko, moi. Même si j'ai joué au snipe un peu cette saison, je sens. Je l'ai tué, il a dit olé. Prediction. Eh ouais, faut voter les predictions. Là où je suis mort, il y en a un. Ah, là-bas. Il a sauté vers les Alpes. Non, il va vers les Alpes. Il est à terre. Oh, je l'ai vu prendre la tête en live. Faut pas t'arriver par derrière. Je suis endormi. Il veut pas le rire. Hein. Bon, je t'achève du coup. On est dans la zone de sécurité. C'est trop tard. Le contrat est à l'échec. Vous avez eu tout le monde autour du largage? Il y en a un qui est parti vers l'arrière. Il est repassé en dessous du Porsche. Il s'est envolé, je pense. C'est bizarre comment ils sont mis les cadavres. Après on va pas savoir ce que Marfulu ça fait pour mourir. Il y avait un point qui s'est mis plus bas. Ouais mais il est super loin, je crois que c'est au niveau du camion carrément. Topin ou pas? Bah il y en aura des topins, y'a pas de raison. Je suis au Garenko, donc je vais faire top 1 là. Ouais, c'est la nouvelle saison, Grégory. Regarde. Je pourrais pas faire mieux que de te montrer ça. Ça, c'est pic. Voilà, ça a changé, regarde. Ça a de la chance, j'ai les fauvés à 120. Ça, c'est pique. On peut dire que là, je t'ai montré toutes les modifications de pique. Je pense que oui, hein. Après, il y a l'intérieur de pique. C'est violent, hein. Faut pas se perdre. Il y a deux nouvelles en fait. Oh, les ennemis, ils ont déjà plus de l'air, hein. Et il y a une couronne en bas. Alors là, faut c'est pas perdre tes plaques. Ce n'est pas négligeable. Ouais, vu son verre là. Il y en a un qui est sur la toile là.
les derniers trucs cette année. Je suis en bas, on les voit. Oh, oh là là. Oh là là. On lui a fait rond, le chat. Ping rouge. Ping rouge. J'ai remis une frappe. Ben, j'ai eu qu'il confirmait là. Ah, il se complète. Attends, le gars vient de voir sauter en parachute dans ma frappe, mais il a rien, gros. C'est. Waouh. Où exactement? Là-bas, dans le mine, là. Et il avance avec le gaz, il est en train de les pousser, c'est pas dans le jeu. La tête qui s'est pris, lui. 100 mètres. Au-dessus de nous, là, au-dessus de moi. Juste là, ah, là. Deux à terre, hein, déjà. Là, il prend le ballon. Non, j'ai cassé mes jambes. Il y en a un qui est ici, hein, faites gaffe. Il est en train de... Fais gaffe, il est juste là, Il est où, juste là? Non, c'est bon, c'est il a eu... C'est sûr, en haut, au niveau du largage. Je suis arrivé juste derrière. Il y a un sniper pas loin de nous, là. C'est ce que j'allais dire, c'est pas un doute qui rentre, d'accord. Hein. Ah ici là, il y a un sniper. Oh, j'aurais dit même plus près, j'aurais dit qu'il tirait dans la vallée à côté de moi. Nul. Là, il y en a un qui est couché, celui que j'ai pingé, il est couché, il rampe. Ouais, c'est moi qui viens à terre. Les autres, ils vont prendre le ballon. Là, ballon. Eh, hey, je l'ai remis à terre, le gars, c'était au terreur. Ballon. Ouh, tu peux pinguer. Ah ouais, là. Bah, y'a qu'un ballon. C'est pas un bon. Il est parti, il a pris l'avion. Encore un avion. Encore un ballon, pardon. Véhicule neutralisé. Ennemi déployé. Crac, le mec. Et à droite. Ouah, j'ai mis 3 balles de Garenko. À terre. C'est bon, je le finis. Bon, bah c'est bon. Y en a un qui est. L'autre il est un peu plus au-dessus. Hein. Éphémère. Le coup de virgule, ça. Vers vous. Au-dessus à pic. Ah non, c'est carrément ouais. Plus loin. Ouais, ouais, c'est au-dessus de moi à pic. Enlève ton point, je vais rien voir sinon. Pas ça, j'en ai plus aucune. Il doit reprendre la hauteur. T'as un visu, Fancy, tu vois où il est ou pas? Ça doit être vers moi, 19 mètres vers moi. Oh, je suis bloqué dans des roches. Ouais, là. Je suis trois fois dans le blanc. Il est derrière le truc là? Bah, par contre, autant ça t'enlève pas les plaques, autant ça t'enlève la vie. Hein. Ouais, c'est bizarre. On est deux ou pas? Vous pouvez m'aider ou pas? Non, vous pouvez pas. En train d'arriver. Ouais, Charlie, à toute distance. Dommage, merci quand même, les gars. Ballon qui arrive. Vas-y, point Fischer, tu peux poser derrière nous. J'essaie de les éloigner deux. Ça va m'attendre à prendre ça. Oh non, remonte, je vais tout le refaire, je vais même pas remonter la fin. C'est ça qui est abusé, c'est que le Garenkos, il est considéré comme un sniper, les gars. Ouais, ça ressemble plus à une DMR. Hein. C'est plus fort que la DMR. La DMR ne one-shotait pas dans la tête. Hein. Les gens, ils se rendent pas compte, mais c'est ouais. Vraiment fort, là. Là, au-dessus de nous. Des grosses têtes, mon gars, ça one-shot.
Ouais, c'est pas le même gameplay, hein. C'est pas un gameplay qui me plaît. Vous êtes rouge. Mais c'est satisfaisant de mettre des balles de snipe de temps en temps. On peut monter par ici. Et on peut. Il y a des tyroliennes, il y a des trucs. Tu descends, tu rentres à l'intérieur et tu pourras rentrer. Hein. Rejoignez la nouvelle zone de sécurité. Le gars se rapproche. Ah, gros gibier enfin, je vais le récupérer. Cible mise à prix repérée. Abattez-la. Ah, c'est un premier avion en face de nous. Soyez rassurés. Par contre, je pense que l'autre il est au top de pic. Hein. Ouais, je pense aussi. Pourquoi je me baisse dans la vraie vie, quoi. Il va sauter. Il a sauté. Oh bitches. Ça va très vite hein. Et du coup t'as... Ça vient d'atterrir ici. Oui, on sort. T'as comment ça s'appelle? T'as du flinch comme un sniper avec ton Garinco là. Flinch, c'est-à-dire? Alors quand on tire dessus et... C'est-à-dire dès qu'on tire dessus ton arme... Tressaillement. Je crois que j'en ai un peu, ouais. Là, mais je peux peut-être pouvoir le retirer après. Crac! À terre! À terre! C'est joué. On est pété de bail, on a pas de chop. Ah si, en bas de nous, il y en a. Pété de bail! Si, si. Tiens, je vais t'en donner un des chops. Gabi, il est pété de bail. Hein. Il est Jones, Gabi. Yao. Yao. Pété de bail. C'est quoi les bails? L'oseille. Je veux dire ou pas. Je vois bien. Oh là, comment allez-vous, Maxianus? C'est bien, c'est qu'il n'y a pas grand monde au final, le sniper. C'est où ça? T'as tiré où? Merde, Ouais, je suis dans le vide. Y'a vraiment pas une boîte de mine? Je remarque que j'ai dans le vide de Marvelous. Je la prends, je la claque. Y'a un problème de touche avec la touche R2? Ah, y'avait un gros gibier encore sur nous. Ah ouais, j'ai repéré de l'équipement. Y'a un ballon à côté au pire. Oh, j'y vais vite, j'y vais vite. Ouais, elle est là quand même. Fait quoi, on va la chercher? La... Eux là-bas? Oui, on peut. Regarde, on fait... Oh, le petit jeu de fond de vue, c'est le français. Oh, il y avait une autoréa à la terre. Un petit peu, ouais, si, c'est jouable. Hier on était juste pas bon, on a bien commencé hier, mais... On a fait un top 1 déjà, c'est déjà bien. Deux cabanes de devant.
top, il monte top. Ils sont pas mauvais, hein. Bah, c'est moi qui suis nul. Voilà, putain, je cale pas mes balles. Quand tu cales pas tes balles au snipe, tu fais perdre ton équipe. Je suis chaman avec une KGM là. J'ai envoyé une frappe de fraise. Frappe de fraise. Oh, je me suis niqué dans les rochers là. Ils sortent, hein. Ah, c'est trop mal fait. Bah, j'ai même plus. Encore ? Putain, vous êtes trop doux, les boys. Un ballon derrière moi, je vais prendre la hauteur. Les gars, la saison 5, la saison 5, c'est clairement un test. Je suis en train de voir si les âmes futuristes ça nous plaît ou pas. Maintenant, c'est moi qui mets ma frappe. Vous faites quoi, bande de chiens ? Un crack là-dedans. À gauche, plus à gauche. Fucking idiot, fucking idiot. Il y en a un juste devant aussi. Ils ont réussi à remonter et nous niquer quoi. Aïe aïe aïe. Ah ouais, faut passer par la droite. Ils ont des balles de sniff. C'est bon, t'inquiète. Il y avait un drone ou une frappe sur leur cadavre. Sur lequel t'es passé en premier. T'inquiète, je suis fou là. Ouais, des fois il y a des réducs. Oh les gars, il reste que 10 joueurs hein. Plaquez-vous. Vous avez pas acheté de plaque? Quelqu'un. Regardez ce chaman, il a plus rien, il dit rien. Mais merci. Moi je leur ai demandé quand on aurait arrêté de courir. Ah mais non. C'est trop tard hein, quand on va arrêter de courir c'est le fight. Il va falloir que je prenne mon largage. Ah ouais regarde. Les cracks. Tu vois, t'auras arrêté de courir, plus de balles, plus rien, t'es mort. Non, action réaction, chaque détail est important à dire les gars. Plus vous vous taisez, plus vous êtes mort. Du coup maintenant c'est moi qui a plus de plaque. Moins vous communiquez, plus vous êtes proche de pouvoir le faire du tout. C'est beau ça. On va prendre ça moi. Hop. On va garder le Garenko. Hein. J'ai à 10 kills avec, franchement. J'ai même pas sorti la mitraillette une fois. Donc là, on a plus de plaque d'avance alors. Nordiste. Non, j'ai tout donné. J'ai tout donné plaque. Il y a encore des shops. Ça va, je suis en trempé donc du coup une plaque, ça me met quand même la moitié de mes plaques. Derrière moi, j'ai vu un mec descendre je crois. Il est à terre. Frappe envoyé, il n'y va pas. Si, on y va, on a besoin de plaques. Il sort de plaques. Il a rien. T'as pire juste là. En bas à droite. Bon, rouge. Ils sont forcément plus nombreux, il est pas tout seul le chat. Réfléchis bien. Ah, comment tu vas l'avoir? T'es tout seul, hein? Ils sont à deux.
mort. Oh, c'est un sinueux. Ouais. Et... Il est para avec ma para. Il y a des plaques. Il para avec la para. Ouais. Sacoche, mettez-vous full. Il y a du descendre maison, je pense. Hein. Il faut pas focus que lui. Oui, focussez-le si vous voulez. Mais moi, j'observe si la dernière équipe elle est dans le coin ou pas. Okay, deux dans la maison, deux dans la maison. Bon, on va les attendre, ouais, ils vont devoir sortir. Ouais, ouais. Ils sont deux dans la maison. Ouais, deux. J'en ai deux capteurs. Ils ont envoyé une frappe de précision. À terre. Je vous les laisse, hein, moi j'observe les derniers. Ils sont tous là-bas ou quoi? Là, il a du saut arrière, hein, je pense. Un peu plus bas là. Il en reste que deux, hein. Allez, un. Oubliez ça. C'est joué. Il en reste plus qu'un. On l'exécute ou quoi? Quelqu'un devrait prendre ça. On peut, ouais. Enfin, déjà, faudrait qu'on le trouve, hein. J'ai dû mettre une balle. Il est double para là. Oh, il doit être caché là-bas quelque part, je sais pas pourquoi. Il est pas au capteur. Il garde une para dans la main. Alors, regarde, c'est s'il est dans notre bac là-haut là, il nous fout le team cette fois. On va mettre une frappe. C'est dans le ciel. Ils tous à ma droite. Comment on le para? Qui a de la para? J'ai. Ah, vous faites ça, vous parlez. Ils sont pressés là. Je l'avais juste crack. Non, il fallait le para. Quoi, le crack en l'exécution, ça one shot le cap, les gars. Ah non. Quelqu'un a dit qu'il voulait qu'on l'exécute, il fallait l'exécuter, c'était drôle. C'est pas grave. C'est un top 1 quand même. Ah, Garenko il fait mal hein, 10 kills j'ai tous au Garenko hein. Bah ça te rappelle la DMR, toi qui aimes bien la jouer. Ouais c'est un peu différent de la DMR mais c'est quand même balèze. Wesh la famille. Wesh la famille. J'ai dit que ça va partir en copain cette histoire. Est-ce que vous voulez me voir? Par contre ça fait du dégât aussi hein, parce que putain je monte à 6000 de dégâts quasiment. Ouais. Wesh la famille. Wesh la famille. En vrai, Fandis, c'était bon au snipe, c'était une 20 kills. Peut-être. Peut-être. Peut-être, peut-être. Mais en fait, c'est trop fort parce que t'as 50 balles et chacune d'elles peut one-shot. C'est... Oui, donc c'est encore plus abusé que le 3 lignes qui avait 20 balles et qu'on s'en plaignait alors. Le 3 lignes va encore plus vite en fait, c'est différent. Je sais pas comment t'expliquer, mais je pense que les deux sont vraiment forts. Meilleur, tu vois bien, hein, la PP c'était soit Garenko, soit le... Tu vas l'aimer, Nico. Je pense qu'il va plaire à Roxy. C'est le sixième top 1. Non, c'est le deuxième, Fabien. Et il reste 2h11 de stream. Aïe, aïe, aïe.
Eh les gars, il y a un vent, les gars. Toute la nuit, ma porte, elle a claqué, quoi. Ils ont dit ils vont dépatch les snipes. De toute façon, honnêtement. Enfin bref, vous savez ce qu'on en pense, je pense. Encore, j'attends d'avoir le 3-6 là. Je n'ai pas le 3-6. Hein. Précision, portée des dégâts. Ça peut être pas mal ça. Tu perds le tir au jugé et la cadence de tir. Stabilisateur à fuite, il est peut-être mieux pour le sniper. Hein. Après, baïonnette, bof, on peut mettre le bipied peut-être. Les tactiques seront en munitions fusil d'assaut. Les tactiques seront en munitions fusil d'assaut. Ouais, bah comme la DMR un peu, quoi. Comme la DMR. Le problème, c'est qu'en fait, ils se sont un petit peu trop cadrés à vouloir faire des... comment dire, des... un nombre de balles par arme. Quand vous avez un fusil d'assaut, vous avez forcément 210 balles. Ok ? Mais en fait, c'est illogique. Parce que quand vous avez un petit fusil d'assaut, avec beaucoup de balles dans le chargeur, etc., vous devriez pas pouvoir porter 3 à 4 chargeurs. Tu vois ? Vous avez capté ou pas ? Inversement... Quand vous avez des snipers, même chose. Vous devriez avoir moins de balles, parce que c'est des balles de sniper, etc. Tu vois. Ça gagne un tournoi. Bah, GG, GG, Scott. Pas de la nuit. Je suis un héros. Oh, t'es loot. Non, j'ai pas quitté. Allez, arrête. J'ai vu qu'il était devenu quelqu'un, le mec a quand même réussi à se faire représenter par l'aide de son blast sur le pass de combat. Ouais, en fait, à la base, j'avais demandé à Activision, j'ai envoyé un mail, j'ai dit j'aimerais beaucoup avoir un objet ou un tag en F, tu vois. Donc à la base, je voulais un tag avec le F, le FZ, tu vois. Et ils m'avaient pas répondu au début. Et ensuite, j'ai dit, bah, s'il y a possibilité, vous mettez un objet que les gens peuvent attacher sur l'arme. Comme ça, les gens, ils savent que quand il y a cette arme-là, c'est que c'est la communauté Fanzi, tu vois, le F de Fanzi, tu vois. Et du coup, chaque saison, maintenant, depuis la saison 4, il me semble, de... Non, depuis la dernière saison de Verdansk. Non, depuis Caldera, ils rajoutent à chaque passe de combat un petit item F que vous pouvez obtenir sur vos armes. Et ça, c'est overstylé, tu vois, honnêtement. Je pensais pas qu'il le ferait, et finalement, bah... bah c'est incroyable. Hop, je te vole ça. Un seul largage. On joue avec le Garenko ou quoi, le chat? Ouais, hein. Donc j'étais le premier surpris et je pensais que ça allait s'arrêter. Puis ensuite ils ont sorti le F rouge, ils ont sorti la touche de clavier en FZ. Ils ont sorti chaque fois et du coup bah chaque saison je leur envoie un mail et tout en disant ah GG les gars vous verrez et tout, tu vois. Et c'est Steve hein, c'est quand à force d'appeler Steve hein, Steve il a dit faut absolument qu'on le fasse mon gars. Vous connaissez Steve? Pour ceux qui connaissent pas Steve, en gros c'est l'agent avec lequel je suis en entretien à chaque fois que... Il y a un souci avec Activision et tout, on peut l'appeler à tout moment pour un peu comprendre, ouais, on est où la maintenance, quelle mise à jour, il y a des trucs à revoir, etc., etc. Moi, je fais vraiment partie de l'équipe d'Activision, tu vois. Mais en gros, je suis payé par Activision pour streamer le jeu et pour trouver les défauts, etc., etc., tu vois. En contrepartie, bah voilà, il me donne un peu de visibilité avec ces petits logos du F et franchement, ça, c'est cool, quoi, tu vois.
Bon, je suis payé 2,89$, hein. C'est pas énorme, tu vois. Mais ça se prend. Ça se prend, comme on dit, on crache pas sur 2,89$. Là, si maintenant, tout de suite, tout le monde envoyait 2,89$ en don, bah voilà, je serais super bien, tu vois. Je serais vraiment super bien. Non, tu dois prendre ta balle. Bah, je développais au début un peu, dans la maison. Dans la maison, dans la maison. Arrêtez. Oh là là. Deux. Okay. Trop tard pour moi. Ici, c'est le goulag. On pourrait repartir au combat. Ah, mais t'avais pas pris le jeton, Chicha, que je t'avais pingé? Non, parce que comme tu tirais dessus et qu'il avançait, je serais toujours en premier, tu vois. Ah ouais, toi aussi Stéphane Métier, bah ouais, Stéphane il est cool lui. Non, c'est pas moi le perrin de BH. Couleur du goulag bizarre. Couleur bizarre. Couleur café. Non, je ne suis pas le parrain de BH Junior. BHette Junior. Tonton par alliance, ouais, Fabien. Parce qu'en fait, les gens... Ah voilà, je me dis bien qu'il allait tomber, hein. Il est... Storage Town, non ? 3 mètres derrière. Ah ouais, quand même. Ah, il est là. Je suis mort à l'avion là à peu près. Ouais, bah, j'ai mis une belle balle. Magnifique top 25. J'ai gagné mon goulag, quand même. En fait, si vous préférez la famille entre Blacky Rose, moi et son frère Roxy, mon frère Roxy, c'est qu'en gros, on est par alliance. C'est-à-dire que Smiler et moi, Smiler c'est Blacky Rose, on n'est pas réellement frère. C'est-à-dire que mon père est en commun avec celui de Roxy, ok, et Roxy a sa mère en commun avec Blacky Rose. Ce qui fait que je suis le demi-frère de Roxy, et Roxy est le demi-frère de Blacky Rose. Sauf que ben, moi et Blacky Rose, on n'a aucun lien. Mais vu qu'on a grandi ensemble dans la même maison, et ben on s'est toujours considéré comme trois frères, ok. Mais en réalité, c'est plus Roxy qui se sent réellement frère avec Black, et avec moi, et nous on l'est pas du tout avec Black, sauf que comme avec Black on est de la même génération, parce que ce qui se passe c'est que les deux parents, Roxy ses deux parents sont séparés, vous voyez, ils sont allés chacun d'un côté, ils ont trouvé femme et enfant, et ils ont décidé de faire un enfant la même année. C'est que Roxy a quand même 6 ans de plus que nous. Attends, j'ai un bug là. Dans le genre, peut-être un peu plus, je crois qu'il a 6 ans de plus que nous. Et donc, 6 ans après, il s'est passé que les deux parents ont décidé de faire un enfant chacun de leur côté. Sauf que son père étant blanc, sa mère étant noire, elle a été voir un noir et lui, il a été voir une blanche. Et du coup, bah, très blanc, il est très noir. Et du coup, on a l'espèce de couleur, cette ligne de couleur un peu particulière qui nous réunit. Vous voyez ?
C'est bizarre, hein, comme histoire de famille, là. Vous vous dites, waouh, mais c'est quoi ce bail? Ben, c'est comme ça, les gars. C'est la loi de la génétique, hein. Les trois frères, quoi. Non, parce que les trois frères, ouais, c'est pas la même chose. Ce qui fait que quand les gens me demandent si Black c'est mon frère et que je suis tonton, je dis, je suis pas. Enfin, sur. Comme ça, là, légalement, je ne suis pas de la famille de Black, tu vois. Vous voyez ou pas? Genre, s'il y a un truc en mode, ouais, vous faites partie de la famille, bah, déjà physiquement, on voit bien que je pourrais pas y échapper, tu vois. Mais en gros, je ne suis pas. Bah, c'est pas pareil justement, Maximus, parce que les trois frères ont la même mère mais pas le même père. Moi, j'ai aucun parent en commun avec Black. J'ai un parent en commun avec Roxy, et Roxy a un parent en commun avec moi et un parent avec Black. Moi, j'ai pas de parent en commun avec Black, vous voyez. Et à mon avis, je connais un peu nos familles, y a pas 100 patates à la clé, les gars. Pas à moi, Maximus. J'y crois pas une seconde. C'est Roxy le mieux placé, quoi. Bah, en fait, il est le mieux placé. Bah, ça dépend. Ça dépend, parce que ça voudrait dire que... Ça voudrait dire qu'il y a nous qui n'aime pas un de nos parents, tu vois. C'est un peu bizarre, quand même, non? Donc, non, je pense qu'on est tous bien placés. Après, le truc, c'est que... Black, on est tous les deux de 94. Bah, lui, il est de fin d'année. Moi, je suis début d'année. Je suis de janvier et lui, il est de novembre. Vous voyez, donc, il y a quand même quasiment un an d'écart, en réalité, tu vois. Et le truc, c'est que bah, j'ai plus grandi avec Black qu'avec Roxy. Ce qui fait que je suis plus proche de Black parce qu'on a vécu plus de choses ensemble. Mais en réalité, plus tard, avec le temps, j'essaie aujourd'hui de rattraper un peu le temps perdu avec bah, le vrai de Mystery. C'est what the fuck, hein, quand même. Ouais, ça va, c'est pas... Il y a un film à écrire là-dessus, je pense. S'il y a un réalisateur qui veut notre histoire, je vous la vends, les gars. Qui de vous deux a fait le plus de bêtises? Black. Black, c'est un casse-cou. Je vais vous expliquer. Moi, je cherche à en faire le moins possible parce que j'ai la poisse. Ok. Et comme je sais que j'ai la poisse, il y a des trucs qui vont me tomber dessus gratuitement. Black, il est plutôt du genre à être très chanceux. Et le problème, c'est que vu qu'il est chanceux, il provoque les choses. Il va faire des conneries et il s'en sort. Moi, je vais rien faire et j'en prends dans la gueule. C'est ça, la vraie nuance qu'il y a entre lui et moi, c'est ça. C'est que moi, j'ai la poisse de ouf. J'ai tellement la poisse que je vais rien faire. Je vais avoir des problèmes. Lui, il va faire des conneries, il va s'en sortir. Je suis le bab tout fragile, ouais, c'est ça. Je suis le bab tout fragile. Ah, par contre, je sais pas si on a le droit de dire ces termes-là dans le live. Oh, t'as fait quoi, wow, 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 wow. 5. Quand même. Tichel, il envoie bien. Ah non, le béquet, ça a rien à voir. Un béquet, c'est les blancs d'aujourd'hui qui colonisaient les noirs. Donc c'est les anciens esclavagistes. Enfin, c'est la nouvelle génération d'esclavagistes. Mais non, non, je ne suis pas béquet, loin de là. Vous connaissez peut-être pas les termes, mais béquet, c'est très 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 péjoratif, les gars. Les béquets, c'est ceux qui restent sur les îles et qu'en gros, ils profitent un peu encore de toute cette misère sociale et... Dites pas ça à n'importe qui là, hein. Dites béquet à quelqu'un, waouh. Allez en Guadeloupe et allez traiter quelqu'un de béquet, vous allez avoir des problèmes, les gars. Mettez un gilet pare-balles, hein.
Ah mais t'en avais une petite Chichel, j'ai peur d'avoir raté. Ouais. En fait je veux prendre l'hélico parce que c'était un peu trop loin pour le faire en parachute et vu que je suis un peu fainéant. Bah, j'ai pris l'hélico et puis j'ai vu tous les ceux qui jouaient pas qui étaient en paquet. J'ai dû y aller. Vu qu'ils se marient entre frères et sœurs. Les béquets, il y a des chances que ça soit le cas, ouais. En gros, le béquet, c'est clairement... c'est les descendants, hein. C'est les descendants d'esclavagistes. Du coup, ils ont encore les terres, ils ont encore... ouais, ils ont encore du pouvoir, quoi, tu vois. Bah, en Guadeloupe, voilà, c'est ceux qui ont les grands magasins, c'est ceux qui ont... c'est encore ceux qui ont le pouvoir, en fait. C'est les esclavagistes modernes. Deux qui spawnent dessus déjà. Un redéploiement, je prends un truc avec la voiture. Tu t'es dit ça a marché en hélico? Il y en a d'autres qui arrivent. Hein. Bienvenue, merci pour ton follow. Je passe dans les plaques. Il me semble avoir vu un mec côté tente par ici. Là. Ouais, ça respawn là-haut et ça, ça se tapait. Au-dessus alors, à la tiro. Ça vient de prendre un là. Ah, c'est toi. Ah, c'est moi qui tape pour réanimer le chat. Merci. Un de vous peut passer fantôme s'il veut. Il y a une caisse personnelle là. Ouais, bah, si ça va d'abord chercher. Non, il passe fantôme et il récupère la caisse personnelle. Bah oui, ça te donne pas les atouts. Donc c'est bon. Tu suis le micro, Nordis. Hein? Tu bugs avec ton micro. Ton micro qui merde. Ah putain. Ça fait un petit grésillement. On dirait que t'es en train de manger. Ouais, là c'est un peu plus qu'un grésillement là, clairement. Manger ou foot Ouais, non, plutôt. Non, il... non, on est en live. C'est pour ça que j'ai dit. C'est pour ça que j'ai pas dit bref. Non, mais il a pas la cam, il a pas la cam, il sait des choses que. Il sait des choses qu'on sait pas, Gabi. On va avancer en vrai. On a un shop là. Ouais, on va mettre un drone, il y a sûrement du monde à pic. C'est une team à top 1 ça. Bah écoute, ça vient de faire un top 1. Je lâche mon drone. Donc je vais pas te contredire. Je pense que oui. Oui, et un en bas et un au ballon. Hack. Une balle. Thanos. Est-ce que vous considérez que Thanos c'est un méchant ou c'est un gentil? Méchant. Méchant. Ah après ça dépend du point de vue mais... Ah! Ah t'as vu? Là il vient de comprendre ma question là. Méchant, gentil, c'est subjectif. Bah il veut quand même décimer la moitié de l'humanité quand même, tu vois. Ouais, mais en soi, c'est pour se rendre la moitié de l'humanité plus vivable. On me dit, ça dépend si t'es dans la bonne moitié ou pas.
c'est un 50% quoi. Le King Bleu, vous l'avez eu ou il n'y a personne? Ouais, mais si t'es pas décimé, il va décimer un membre de ta famille ou un des lords du genre, forcément, tu vois. Et là, ça peut être pire que de ne pas être décimé, quoi, tu vois. Que d'avoir tout le monde qui meurt. On a un drone encore? T'as une... On a un drone spécial ici, en cas où les gens. Je l'ai crack au shop, malheureusement, il est parti dans la cave. Moi je dis que c'est un mec qui a pensé à une solution extrémiste pour sauver le monde en vrai, tu vois. Ouais bah ouais. Mais du coup c'est un incompris, c'est ça que tu veux dire? Non, voilà. Je pense qu'on comprend très bien ce qu'il veut faire, hein. Il est pas incompris. Mais je dirais plutôt que c'est un héros extrémiste, tu vois. C'est genre Marine Le Pen avec une cape quoi, tu vois. En gros, il pense que la meilleure solution, c'est d'avoir des pensées extrémistes et qu'à un moment donné, il n'y a plus de solution, tu vois. Genre, au lieu de penser à une solution peut-être où on a plus de temps, plus de ceci, plus de cela, bah, ils se disent, c'est mort. Vous trouverez aucune solution, vous êtes tous trop bêtes, tu vois. Moi, ce que je propose, c'est on décime la moitié de l'humanité, on va à nouveau souffler un petit peu, on va à nouveau tout ça, et on repart de zéro. Et au pire, je prends la responsabilité du truc. Basta la vista. Après, il le fait de manière aléatoire. C'est genre vraiment prévu pour que. Ça se trouve, il aurait pu lui-même disparaître, quoi, tu vois. Bon, après, il tue même sa fille, donc. Il va quand même en tuer sa fille, tu vois. C'est-à-dire que le mec a. C'est que c'est violent quand même, hein. On a encore un drone ou pas? Parce que là, c'est un peu chier, je trouve. Bon, ça, c'est celui que je courais après depuis tantôt. Ah non, Voldemort, c'est un méchant. Basta, c'est tout. On sait que c'est un méchant, voilà. Ah bon? Moi, je croyais que c'est sous les. Bah, il a. Il y a un redéploiement là, tu me dis. Ouais, mais gars, sa propre vision du monde, elle est méchante. Je veux dire, il a pas de. Il n'y a pas un côté de lui qui souhaite sauver le monde, tu vois. Y'a rien de positif, y'a rien à prendre. Alors que Thanos, souvent on le dit, ah ouais, on est trop nombreux sur Terre, blablabla. Oh putain, j'arrive trop tard. T'avais pas un drone toi, Fanzi? Mais il a une solution un peu extrémiste, ouais. Il a une solution je suis mort. Bientôt. Il est où le gars? Ça me tirait du grand top, hein, je crois. Il est là. Comment on remonte là? Il est au-dessus. Il est à terre au-dessus. Il est mort au-dessus. Faites gaffe, sniper. On peut remonter par là, ça c'est trop bien. Le drone est à court de carburant. Si tu marches dans la lave, ça t'enlève de la vie, mais pas de plaque. Et ça c'est une relation bonne nouvelle. Tu dois aller sur... Au grand temps, ça y est. Il y a du monde, hein. Grand top, une laser. Je suis cassé les jambes, génial. Il a été réa, grand top. Ah ouais? Ouais. Il est au-dessus là. Ils sont sur moi là, sur moi j'en ai. Ah bien sûr. Combien? En bas du coup il est. Un. J'en ai vu un sur moi. Moins un malheureusement.
En fait, il est vaste le goulag. On pense pas à glisser tous ces trucs là. Faut que je m'entraîne un peu. Là. Ouais, il est un peu compliqué le goulag. On peut prendre le largage, hein. Je l'ai moins cher en plus. Il a moins cher. Ouais, je sais pas, j'ai le coffre en doré moi. Ah ouais, bah je viens de faire la mission. Pourquoi j'ai des réductions sur le masque à gaz, moi je comprends pas. Moi t'es sur. T'as toujours des réductions, moi j'ai rien. Il est héros, c'est 500 balles. Vous voulez quoi, une boîte de mun? Ouais, boîte de mine, ouais. Et tiens, prends-toi des plaques aussi. Il y a une caverne en or, si vous voulez. Non, je vais essayer de jouer à la Garenko. Jusqu'au moins 2 centimes. C'est vrai. Le son de euros, c'est quoi dans le shop? C'est pour gagner plus de points. Il y en a un autre. Je crois bien ça balance une frappe. Pourquoi il la prend pas? Faites gaffe, c'est là au cas où, hein, derrière. Ils sont pas la zone, hein, on sait pas. Hein. Faut ouais, une bonne zone et puis let's go. Hein. Ah, quoi, ils viennent de prendre un. Ah, il est enculé. Ah, il l'embarque avec. À terre. Non. Comment te dire, Maury, si tu n'aimais pas la saison 1, 2, 3, 4, la saison 5 te plaira pas plus que ça. Le défi rouge et bleu. En gros, ils vont faire 20 jours de méchant contre gentil. Le principe, c'est de ramasser le plus de médaillons. Vous choisissez entre le médaillon bleu ou rouge quand vous les avez dans le coffre. Ok ? Sachant que si vous ramassez un médaillon bleu, à chaque fois que vous passerez dessus, ça ramassera automatiquement le bleu. Et le but, c'est de gagner le plus de points. 650 000 des deux côtés pour débloquer la totalité des skins, bannières et tous ces trucs-là. Ok ? Et à la fin des 20 jours, ils vont regarder qui c'est qui gagne le plus, les méchants ou les gentils. Pour le moment, c'est les méchants. Et je pense que ce sera définitivement les méchants parce que le mode de jeu qui permet un peu d'accélérer le nombre de points à récupérer... Et avantagé pour les méchants, donc le méchant gagnant. Un en moins. Oh, je pense que... Tu prends ma cover, Chicha, je vais tenter d'aller faire les réa. Non, je prends pas. Vas-y, j'essaye de regarder. Est-ce que tu ressens qu'elle a été buff la Vargo ou pas? Ouais. Encore plus que... Pas spécialement bien plus, mais... Après c'est mon chiffre qui a chié là, par contre. Ils sont où les mecs? Là. Au shop d'en face.
voiture qui est dans le shop aussi. Je viens de prendre deux largages là-bas. Là, il y a un mec ici. Non, ça ramasse pas les deux, ça en ramasse qu'un seul, WNL. Regarde bien sur ta droite. Regarde sur ma. Ah, là, tu le vois pas parce qu'il y a ma caméra. Et en gros, sur ma droite. Attends, ma caméra, elle sera mieux. Moi, si vous préférez que ma caméra soit là. En gros, là, en dessous de moi, il y a le nombre de points que je possède. Et je les ai pris en gentil sur cette game. Hack. T'as pris l'avion. L'avion il revient sur nous. Il a lâché. Il est dans la centrale. Il est crack. Bien bien touché. Des gens à gauche. Ok ouais, là-bas. Il est arrivé à se barrer. Ça vient de rien encore derrière toi, Fonzi. Moi, je suis pas un heure, j'arrête de le jouer. Là-bas, j'ai une boîte de mun. Ils ont des autorails. On l'a craqué, j'en ai plus. Un derrière ça. Tu l'as vu le gars qui était derrière moi là, dans la centrale? Non, non, il s'est barré, il s'est barré, il s'est barré. Trois cracks et un à terre. Ça respawn sur eux. Il y en a un crack, je lui ai mis v'là les hits vie, mais ça n'a rien changé. Faut faire gaffe de pas se faire back, là on a une bonne zone. À ta gauche. Oh là 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 là. Trop fort le Garinko, vraiment. Je serais vraiment une merde de dire que c'est de la merde. Je sais pas s'il faudrait pas prendre là où il y a les tourelles là. Ouais, on peut essayer. Ouais, au moins garder jusqu'à ce que la tiro soit plus là quand il se passe faire battre. Si vous avez des balles de snipe, je suis preneur les gars. Ouais, j'ai 40, je vais prendre place. Ouais, j'en ai 40. Elles sont là en zone. Je viens de passer de 46 à 53, le Garinko, quoi. Ah merde, je suis en train de suivre la mauvaise personne. Il y a des plaques. Il y a 4005 si vous voulez acheter une frappe. On a un shop sur nous. On a encore la hauteur, on a encore la hauteur, regardez bien. Sniper à longue distance, comme ça moi si tu couches, je t'envoie. Soyons malins, on a une belle hauteur là. Vous devriez avancer avec moi. On sait que c'est pas sur notre gauche. Sauf s'il reste un petit énergumène. On a juste à les attendre. Bien placé là. Oh, on est trop bien là sur la falaise. Hein. On sait qu'il y a deux teams là-bas vu que ça se parite. Oh oui. En vrai, il y a une team quoi, c'est pas où elle est. Il reste 5 mecs pour 3 teams en face. Hein. Il y a des colis en bas de nous dans la plage. Il se fight à mort. Hein. Bah, il reste. Ça vient de faire une reste derrière nous. Ah ouais, il y a une arrière. Derrière. Eh,
Central. Tac. Et l'autre, il est au-dessus. Oh putain, il m'a mis à terre un centre. À terre. Il est à terre. Je m'occupe. Il va lancer votre frappe au pire, les gars. Il est seul, lui. Ça va être devant nous après. Crac. Hein. Il a une balle. À terre. C'est bon. Allez, les autres, c'est à droite. 3 mecs pour 2 teams. Voilà. Crac. Crac, zipping. Tu le craques, tu sais que j'ai eu ma coronite marqueur à l'AGR. Oh la balle. Une balle, une balle. À terre. Là tu es au choc déjà. Là tu es derrière le bat. J'en ai déjà passé derrière le bat. Oh le lap. Il est tout piqué, gros. Ah mais t'as eu. On l'exécute. Ouais bon. J'ai double para sur moi. Il est dans la centrale, tout de meilleur les mecs. Hein. Non, il est devant nous. Vas-y, exécute-le, Nordis. Vous avez l'info ? Ouais, il est devant nous, là. Bah non, je le vois pas. Là, il est dans mon buisson, là, viens. C'est pas là. Ouais. Il est dans mon buisson. Ok, j'arrive. Là. Rebalance dans une. Je repars. Ah le Garenko, je vous jure, c'est insane, vraiment, c'est... On a tué Maximus Prime. On a exécuté Maximus Prime. Ah, tu voulais l'exécuter toi, Gabi? J'ai cru que t'allais l'achever, en fait. J'ai cru que Gabi, il est trop... tu vois. Je voulais faire un lancer de couteau tout à l'heure. Mais j'ai pas eu le temps. Des cracks, il y en a un qui a mis une balle. Bon, sur celle-là, je te le laisse. Je vais pas lui courir après, vous êtes déjà... Ouais, n'importe, ouais, on était tout dessus. Le premier qui l'exécute, il est content. C'est marrant de faire une exécution sur le dernier. Non, j'étais juste bizarre kick dessus parce que j'ai vu qu'il avait ramassé un ballon, donc quasi ils prennent le ballon. C'est nos deux games d'affilée, là, on n'a pas fait de choc entre deux. Si, on a fait un choc. Si, on a eu un top 25 quoi. Entre deux. Un choc, un ouais, choc. On a fait un top 25. Ah, j'aurais dû laisser à Chicha, il aurait eu 14. Non. Moi je m'en fous des kills, hein. Perso. Non, il a fait un petit pona 6 kills à l'hélico, mais il s'en fout des kills. Hein. Oui, bien sûr. Bien, dès le début de la bien game. Sûr, Chicha. Bah, oui, s'il fait le wager ce soir, méfiez-vous. Là, ce soir. Ce soir, je suis avec Viking, donc. Oh, pas de trop, je crois qu'on en a bu 4-5, je crois. 4-5 litres? Non, 4-5, 33. Non, c'est 33, ça va. Ah bah là, cet après-midi, on va à l'abbaye et tout. Je l'emmène dans une abbaye où ils font la bière eux-mêmes et tout. Là, ça va y aller à base de pinte, hein. Oui, bien sûr. Vérifiez votre équipement. Vous avez un peu de temps avant le déploiement.
Oh, Garenko, il est passé niveau 59, les gars. Ça XP en 2 secondes, les snipers, vraiment. Hein. Bah, il y a du XP en plus en ce moment-là. Je sais pas, mais il montait très vite. Hein. Ouais, il doit y avoir du XP, je pense, vu qu'ils viennent de mettre le mode. MX est mieux ou pas? Silencieux, contrôle horizontal, vitesse des balles. Portée des dégâts. Portée des dégâts, ça peut être pas mal ça. Contrôle, pas un peu de contrôle. Le recul, silencieux. Vitesse des balles. Vitesse des balles est peut-être mieux, je pense. Hein. Ah, ok. C'est la fin de l'entraînement. Appliquez ce que vous avez à faire. Je sais même pas c'est quoi une bonne classe Garenko. Je joue n'importe quel Garenko. Hein. Je prends un vieux truc, je mets des vieux skins. Des vieux items. Bah, les. Ce que tu veux dire, c'est que même là, pour compter n'importe comment, il est cheaté. Bah, il vient de passer 60. Si c'est que maintenant que je commence à me dire quand est-ce que je peux l'équiper, quoi, tu vois. Ouais. C'est-à-dire qu'il y en avait un dans le pass de combat. Soit il est très très bien, qu'il y en a dans le pass de combat, là. Balek. Ça se passe bien, Pique, hein, on l'a déjà fait juste avant. Hein. Elle est cheatée, Fabien, non, mais clairement. Faut dire les termes à un moment donné. Allez, je suis chargé. Il faut dire les termes. Le problème, c'est que les gens ils jurent que par le sniper. Et après, ils vont dire oh la KGM c'est cheaté. Bébé. Ah, les gars, vous rendez pas compte, ce sniper. Là. Ok, faites gaffe, ils sont chauds. Hein. Tenez, je vous donne l'hélico, moi je le gère pas. Très bon, ils sont bons. Il est très bon lui. T'as plus de balles, Logan là. Bah là, tu dois prendre toi. Oh, c'est coup de chaîne lui là. Il vient de se faire laver le cul. Toi, je vais aller te chercher. J'ai mis trop long pour TC. Bien joué. Dès qu'on pouvait monter là-haut. Non mais il y a ses potes qui lui disent exactement je suis en train de faire demi-tour et tout. Je te passe dessus, ça t'écrase pas là? Ça donc bien. Bah écoute Omax, elle va être peut-être un peu longue en vue du contenu mais ça va. M'attendais à pire. Fonzi à mon avis il a pas mis pour la Berea. Ah il est pas là, il est pas devant sa télé. Là il
La frappe qui va de plus en plus en venir me taper. Ah, j'aurais pas pu penser que vous m'auriez déjà rien. J'avais pas confiance en fait. Ah. La caisse qui te donne ta classe, ouais, ça c'est pépite, ça j'avoue. Ça c'est vraiment pépite. Ça. Il y en a pas souvent, mais. Où ? Ah. Ah, là, à droite. Je marque oublié sa prochaine destination. Pas de touriste trempé dans l'eau, à mon avis, pour que la peinture elle se. Ouais, mais c'est factory. Ben non, mais oh. Le largage, c'est un... grave loin. Jusqu'à c'est ça là. Là, là, il y a un gars à terre là. Deux cracks ici. C'est bon, c'est bon. Un à terre. Je te l'ai confirmé. Non, ouais, je le laisse à une balle. Un sur moi. Je suis là les gars, désolé. Il fallait que j'ouvre un pot de peinture. Ah, je me suis fait mal au poignet. Il a ses armes, il m'attend 10 heures fixe là. Pour le ping. Ah bah je me barre alors non. Ah ouais, ils ont leurs armes. Vous avez pris le largage ou pas, Fandé? Ah, moi non. Non. Je savais même pas qu'il y en avait un. Désolé, j'étais pas là. Je vais tenter, voir si c'est possible. J'ai détruit le poignet, ouais. Je suis sûr, je viens d'ouvrir un. Vous savez, les pistolets à peinture là. Le pot, il était un peu. La peinture avait un peu séché. Merde, bah ça va, tranquille. Je peux ne pas avoir de force pour avoir un pot. Je galère un peu. On me traiter de sale merde. Je parle pas de toi. Hein. Ah, je crois que c'était moi. T'as atterri devant moi au niveau du ballon. Donc là, je me tape le plus gros demi-tour de ma life. Un mec, muchacho del muchacho. On a été droné, moi après je suis ghost. Oh non hein. Si on a 10 000 on peut récupérer spécialiste en vrai. C'est où ? Donc, juste en bas de moi, je vais me faire laser dans 2 secondes. Un collier ennemi qui vient de disparaître. T'as un capteur chicha toi ou pas ? Ouais. Tu sens de personne là sur le shop ? 31 mètres devant moi, donc il doit être là-haut, je crois. Une nouvelle zone de sécurité a été désignée. Là en dessous, c'est pas allé en... Non, non, j'ai pas été dessous. J'ai deux points, tu vois. Il est dessous, dessous, dessous. Ils vont aller au shop. Là, c'est où tu... Là, ah, en bas, il est au-dessus. Toi, tu sais. Et c'est pas la même équipe. Il y a du monde au ballon. Quoi ? Il a sauté, il se... Je le laser en premier, il se hit. Wow. Votre coéquipier est au goulag. S'il survit, il pourra reprendre la bataille. Les deux Maximus, j'ai essayé de suivre tes conseils de maître, de Meister. Malheureusement. Je n'en fais qu'à ma tête. Ils sont où, vos boys là ? Au niveau du shop, ils étaient. Ouais, ping vert. Ping vert, mais aussi. Il y a un mec ici aussi là, qui laser. Grand top, je crois. Grand top. Hein. Mais je vois pas. Ils sont plusieurs snipers. Hein. Ah, juste là en bas de moi. Je place un repère. Négatif.
J'ai mis une frappe sur lui. GG. Ouais, un petit canon, pour la bombe, on attend, Marquis. Ouais, pour voir. C'est pour voir pour la mobilité. Ça change un peu mieux. Et voilà. Les dégâts sont pas trop. Oh. Il est au pistolet, gros. Mais non, mais c'est pas possible. C'est pas grave. C'est hallucinant, gros. Il est trop fort. Il est. Il est en haut. J'ai mis que de la tête à la. Non, non, mais tu peux rien faire. Tu peux rien faire. Juste en bas de toi, Gabi. Juste en bas de toi. Qui m'a buté tout à l'heure. Vas-y, juste en bas de toi. Tu l'as pas vu? Ouais, je sais, mais. Si, si, je l'ai vu, je sais. Mais regarde, il met deux balles, c'est que de la tête. Tout à l'heure, il a sauté, je lui ai tiré dessus en premier, mais ouais, il m'a fait un turn tout de suite. Niveau 11. Regarde, putain. Ouais, regarde, il a attendu, c'est un HOE. Ah non, c'est lui. Ah non, c'est le même skin, moi. On l'avait déjà tué une fois, il avait un jeton de redéploiement et. Moi, j'ai cru voir un gars en. Bon bah. It's finished time, hein. It's shit, on me dit. Je sais pas, mais il est fou, hein, le mec. Hein. Il est plus fort que nous à la mitraillette. Ouais. Au pistolet, il était plus fort que moi à la mitraillette. Ouais, non, mais il met que du full, full tête. C'est celui qui m'a buté une première fois là. Le laser en premier, et il fait un turn, il saute et full headshot instantané. Fort, très fort. Bon, bah merci pour les games, Fanzy. Bah avec plaisir, les gars. Merci pour les avec games, plaisir. Merci. Allez. Pour les games. Ciao, ciao, ciao. Hola, hola. La baïonnette, elle sert à rien. Contrôle de recul. Bon, désolé, t'es en plein. T'as quitté en pleine game. Comment ça, j'ai quitté en pleine game? Non, je parle à Cool Chain. Zapato! Gros mini, Zapato! Allo? Ah, Dodo, il rejoint Fandi, mais il nous rejoint pas, hein? Qui? Mange un cul, Dodo! Baiser un tour, ça fait 3 minutes que je vous invite, bande de mangeurs de boules. C'est pas. Non, c'est un mytho. C'est un mytho. Je t'ai invité 14 fois, je t'ai sérieux, quoi. On t'a attendu une demi-heure avant de lancer une game. Bien. C'est vraiment plus. Mais oui. C'est un annonce en même temps que Fanzy et tout. Ah bah pas de bol. Je suis revenu juste après. Bah regarde Dodo, je vais laisser ma place à Philippot pour aller jouer avec toi mon Dodo. T'es beau Michel, moi je laisse pas ma place avec Fanzy. Mais t'es pas dans les trois premiers, Dodo. Quoi? T'es pas dans les trois premiers. M'en fous. C'est pas du tout. J'adore ce mec. Ça va, ça va, poteau. Ça va, hein. Qui c'est qui arrive en premier et dernier? C'est moi. Non, t'es arrivé dans les trois premiers, c'est pas top. Ah, ça va. Fanzy, tu mutes, non? Non, je. Non, je pense. Du coup, de vos conneries. Non, il veut pas nous parler. Vas-y, tranche, Fanzy, c'est qui est arrivé premier? Les trois premiers, c'est qui? Attends, laisse-moi réfléchir. Ah, là, il y en a qui va être déçu. Bah, il y en a deux qui vont être déçus. Alors, le premier à rejoindre, c'est. C'est qui dit apparemment? Attendez. Oh putain, vous êtes nombreux, hein. Vous êtes nombreux. Bah, Emeo, désolé déjà. Je suis désolé, t'arrives un petit peu tard. Légèrement tard. Par toi. Alors, c'est. Ils sont. Zapato, Dorias et Philippot. Tiens, manger un cul, cool chez Maximus. Non, c'est un mytho. Ciao, les gars. Voilà.
Y a pas de loi ici, je vire tout le monde. Ah, j'ai envie de faire un double fuck. Bien joué. Oh, le seum! Le seum! Ils étaient tellement sûrs d'eux. Ils étaient là en mode Nana, c'est nous et tout, tu dégages, Nana et tout. J'écoutais tout, je faisais mon arme, j'écoutais tout depuis le début, les gars. J'écoutais tout depuis le début, j'ai dit ah, je sens que je vais en virer deux, ils vont kiffer. Ah, c'est beau, ça. Mais tu sais qu'il est content en plus. Je voyais mon nom arriver en troisième et je me dis, bon, dit que je suis arrivé à la fin. Je comprends pas, j'allais me barrer. Bah non, t'as bien fait de rester. Bah voilà, t'as bien fait de rester. Bienvenue à toi, ça va? Ça va, ça va. Et toi? Moi, je... les gars. Bah écoute, ça a l'air d'aller, moi. Il y en a deux que ça va pas, mais moi. J'étais obligé. En plus, le pire, c'est que le chargement est long. Alors là, ils sont en train de regarder comme quoi ils sont vraiment pas dans le groupe, tu vois. C'est long. Merci. Oh, putain. Ben, remercie-moi, cool chaîne. Je suis sûr que tu me remercies parce que t'avais un autre truc à faire, mais que du coup... j'arrête dans combien de temps, moi dans... On va mettre un petit 45 minutes. Allez, hop, midi, ça finit. C'est vrai que les jetons ils sont tout buggés les gars, c'est vraiment une arnaque. Hein. Je viens de rajouter 45 minutes. Et ben ça m'a... il me restait 50 minutes et ou un truc comme ça et ça vient de me mettre 45 minutes. Et là ça vient de me muter tout le monde. Mais vous me provoquez aussi, les gars. Vous serez bientôt déployé. Viser en x6, ça va être incroyable. Entendez les gars? Ouais. Vous chasser. Coup de chaîne, je t'ai vu dans notre game juste avant, tu t'es fait éclater au goulag. Oh le Tony Stark. Bon, est-ce qu'on va chercher le quatrième topin là? Yes, 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 yes. C'est quoi les pings là? J'ai pas vu en fait. Non, j'ai pas. C'est pas... Je m'en fais exprès. Hein. Écoute, chaîne, j'ai pris les 3 nuls en même temps. Comme ça, je sais, dans 15 minutes, je fais changement. En vrai, t'as pas tort. C'est pas faux en vrai. J'ai déjà quasi 3 heures de live, ça, tryhard. Oh, le Tony tryhard. On va à Storage Town. Vas-y. Bon, faut faire mentir Fonzie les gars. Cherchez le copain. T'as entendu ce silence là? Il y croit pas. Pas ouais, du tout. T'as entendu qu'il comprend, ouais. Et c'était une belle façon de motiver les troupes, ouais. Je veux que allez les gars, faites-moi mentir les gars.
Après, vous savez très bien que même si vous me faites mentir, je peux vous sortir une belle game derrière, donc... Ah bah en vrai, moi je m'en fous, honnêtement. Juste le fait que tu fais rager Maxime... Pour vous, c'est déjà une victoire, c'est ce que j'allais dire. Oh, moi j'ai déjà gagné, là. C'est bon. Quoi de neuf, t'as dormi sur le jeu? Non, je me suis arrêté à minuit et... Un peu avant, 23h30, je crois, on a arrêté hier. Et là, on a repris ce matin à 8h. T'as fait un jeu à tous, bah, 8h. Des fois, je commence à 8h30 parce que... Parce qu'en fait, j'ai l'impression que de 8h à 8h30, il n'y a vraiment personne sur le live. Et c'est long d'attendre que vous vous réveillez... Du coup, bah, je commence à 8h30 des fois. Alors que je suis sur le live, hein, je suis prêt, hein, je peux envoyer, hein, mais je dis bon. Relax, quoi. On peut acheter de l'odeout. Ouais, j'attends une petite demi-heure vite fait, tant pis. Go l'odeout ou pas? Yes. Vas-y. Largage dans le dos. Vous êtes sur le dos en premier ou en achat? Ouais, je prends le largage, moi d'abord. Ça, ça sert un barrage. Quelqu'un veut Mathilde, putain? Attends, oh bah, oh, en fait, on peut lâcher à deux, ouais. Bah, arrive. On Grenko, on le fait, on le finit le Grenko là? On passe niveau, on le passe niveau 70 ou quoi? Ah, il y a des armes en bas là. Il y a quelqu'un qui peut avoir ses armes en bas là. Ça? Avec le coffre spécial? Coffre spécial. Le special coffre. Quelqu'un devrait prendre ça. Au pire, regardez l'autre côté, parce que là on a déjà nos armes. Donc, celui qui arrive à revenir, il sait qu'il y a un coffre spécial ici. Oh, ça, c'est un bon rythme. Ouais, j'ai un bon petit. Là, je commence à trouver. Enfin, ça fait beau quelques mois maintenant, mais je commence à bien trouver mon rythme. C'est depuis quand? C'est depuis c'est quasiment depuis mars que j'ai repris les lives à 8h du mat. Sinon avant je commençais à 10h. Mais au final de 8 à 10 je me fais un peu chier quoi. Donc maintenant je lance les lives à 8h. Alors on va regarder vite fait s'il n'y a pas quelqu'un qui sort du gaz. Waouh, waouh. C'est quoi ces lumières là? C'est moi. Bonjour. Ah, faut que je retourne derrière droite, pour le à gauche, on dit, à ta gauche, on dit ça. Ah, les gars, vous l'avez lancé loin. Ah, bah, plus en zone. Ah, à ma gauche, ça me vise sur moi. Sur moi. Quoi? Toi, t'es où, toi? Là-haut. Ah, ça respawn. Oh là là, ça pâteau. On le faisait, on le sustime. Déjà 3 top 1 ce matin, Tony Stark. 3 top 1 ce matin. Avec 14, 15 et un 5 kill. Le 5 kill, il est vraiment pété. Hein. Ouais, c'est Shakmar. Ouais, mais on l'a fait pour dire on fait. En gros, j'ai vu qu'on n'avait pas de kill, j'ai dit les gars, Valek des kills, venez, on valide le top 1 et c'est ciao. Voilà. Et ce matin, je joue sniper et je suis plutôt content, j'aime bien ce que je propose. Bon, bah du coup, je suis pas fantôme, les gars, j'ai la flemme d'aller jusqu'à là-bas. Vous avez l'info. Ok. Surtout qu'ils veulent absolument que j'atteigne le quota des 1000 top 1 avant Warzone 2. Ça devrait le faire. Si on en fait 3 par jour, dans 20 jours, c'est réglé, les gars. Moi je pense qu'on peut régler. Tu en fais quand même pas 3 par jour à chaque fois. Non mais. Ouais, mais je me dis qu'après il suffit de. Tu sais, je me fais une session spéciale, tu vois. Je me rajoute une journée où je me prends une bonne équipe et. Je bourrine les jours où je rattrape, tu sais. Ouais. Non, non, c'est clair que si tu as une équipe travers, t'as moyen que. Mais j'aimerais bien me faire des fois des matinales où en gros je prends FR avec moi, tu vois, et on tente de se trouver un troisième voire un quatrième mate. Tu sais, on fait du trio, du quatuor, on verra bien. Et genre, il reste avec moi toute la matinée, et les personnes qui nous suivent, ils doivent arriver à nous
on tryhard avec même les gens faibles, hein, peu importe. Hein. En mode on tryhard et tout, les gens doivent arriver à suivre. Les gens s'amélioreraient, et nous aussi. Ouais, clairement. Après, je pense que quand même pour valider les copains, etc., et que ce soit vraiment 100% rentable, il faut quand même que tu bases sur des mecs qui ont le niveau bah, comme Mars ou quoi, tu vois, quand même. Je veux dire, le but c'est de prévenir qu'on va tryharder. Si forcément tu me dis, écoute, j'ai 0,21 de ratio à mon prime, je vais te dire, bah, tu vas pas passer un bon moment quoi. Surtout avec FR. Hein. FR est super sympa, non. Mais ça peut être un calvaire de jouer avec lui quand tu vois. Il est où le Tu le vois, Fendi? Voilà. Moi je le vois. Ah non, ah non, stop. Non, je voyais pas le. Bon, bon, bon. Vous savez le bruit quand vous ramassez. Alors, ça c'est pour les connaisseurs, les gars. Le bruit quand on ramasse un médaillon héros, c'est clairement le même bruit que quand vous avez fini de construire une maison dans Age of Empire. Ah bon? Ah ouais. Jamais tenté. Attends, j'ai joué. Je fais pas. Tu sais quand tu finis de construire un truc, ça fait. Ah, j'ai plus en tête. Ouais, quand tu le valides, ouais, je vois qu'il y a une musique, mais j'ai pas ça en tête. Bah réécoute, ramasse un médaillon héros, tu vas voir. Ouais. On dirait le même bruit. Je vous jure, ça me perturbe depuis hier. J'en ai pas dormi de la nuit. Je me suis réveillé, j'ai dit, ça vient de là. Putain. T'es sérieux? Je peux pas dire que je l'ai pris. Je l'ai pris. Ouais. C'est bien, laisse partir. Ouais. Je vais pétir. Je fais un truc. On dit voyage de ballon en ballon, il faut aller le suivre. Il faut le suivre. Prenez les ballons, les gars. Ouais. Je suis. Attends, moi je découvre Pix parce que c'est la première partie que je fais donc. Comme je dis toujours, tu peux mauvais. Ah, attends. Sur quelle plateforme? Sur PC. Tu peux quoi? Tu peux mauvais et gentil, mais gentil c'est pas un métier. Mauvais. Ouais, je comprends ce que tu veux dire, je viens de prendre un jour. Il manque des verbes, je crois. Ouais, c'est vrai que les symboles là qui vont t'éliminer. Ouais, ok. Du coup, est-ce que vous voulez du monde? Pardon. Vous voulez un drone? Vous voulez un drone? Ouais. Cadeau. On veut un drone. Et y'a personne. Y'a du monde sur toi, Fendi ou pas? Je les craque dans la bagnole, mais. Ça ne suffira point. Le ping, on a même pas vu le ping. Incroyable. C'est quoi cette partie où il y a personne? Ah, je vois. C'est le réveil, Tony, t'inquiète. Tu seras pas le premier à cafouiller des trucs bizarres. Et tu seras pas le dernier. Hein. Des fois, le chat. Surtout que le pire, c'est ce que j'expliquais hier. Le pire, c'est pas l'orthographe ou oublier des mots ou quoi, tu vois. C'est l'intonation, c'est la ponctuation, on va dire. Il y a des phrases sans virgule ou sans. Je sais pas, peut-être. Pourquoi ça me touche pas? Tu veux pas monter avec moi? Je suis safe. T'es où? J'espère que t'as pas me nordifier. De quoi? Nordifier? Norbifié, c'est ce que. C'est quand Skyros, etc., il lance Norbi dans le mur avec les. Tiens, change de poste. Là. Oh la piste. Oh, j'arrive pas à l'écraser lui. Il y a des pings les gars, ouais, là. Ah là, ça c'est du ping.
Un terre. Un mort. Deux morts. Oh, lui, il m'a volé. J'ai un drone. N'ai volé que ce qui était appartenu. Des... Ce gars-là ne t'appartient pas, je ne te l'ai pas volé. Il y a des oiseaux qui volent. Oh, si, si, tu m'as volé, non, 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 non. Tu lui as mis combien de balles, Fandy? Dis-moi. 7. Oh, 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 oh. Ah, là-bas, au-dessus. Il est à terre. Voilà. Oh, il a pas compris mon turn, lui. Non, non, lui, il a pas compris. Je te l'ai volé, celui-là, alors, du coup. Là aussi, je te l'ai volé. Non, celui-là, il est à toi. Il est à moi celui-là, tiens, gauche, si étonnant. J'en ai un de drone. Moi je pense que toi qu'à faire, on peut claquer un peu de thune, on a 16 000, on a un shop. Ah là, mais des fois, tu sais, Tony, des fois, il y a des gens, ils vont mettre un point d'exclamation au lieu d'un point d'interrogation. Ce qui est une erreur basique. Mais ça change tout. Simple. Ça change tout. Il y a... Des fois, les gens me posent la question, tu vois. Et les gens ne posent plus la question, quoi. Ils s'énervent contre toi. Genre en mode... Il y a « On peut te rejoindre ?» en interrogation. Et il y a « On peut te rejoindre ?» C'est pas pareil, les gars. Je te jure, c'est pas pareil. Le point d'exclamation, il agresse la personne. Le point d'interrogation, il est là, en question, normal. Rien que ça, rien que ce petit truc-là, tu vois. Attic, attic, combo. Aïe 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 aïe. Tu l'as depuis ce matin en tête, hein. Il t'a mis en tête, c'est fini. Je vais aller un peu loin, du coup. Je vais donner des smarties à ma fille. Je sais, je suis pas un bon père. Oh non, fallait pas dire ça. Je vais enlever des smarties. Oh. Tu donnes des smarties à ta fille. Ouais. Ouais, bah, des bonbons, c'est bien, c'est les vacances. Si elle peut éviter de me faire chier parce que sa mère adore avec le petit. Ah ok. Voilà, quand on aura tout dit. Il a dit les termes. C'est pas que j'ai 500 mètres de retard sur moi, quand même. D'accord, ça va tout. Ah non, si ça va tout déjà, je suis ton drone, s'il te plaît. Je le lâche, j'ai une bonne position et je le lâche. Il est calme ce matin. Oh, derrière moi. T'es de repos aujourd'hui? C'est là. Non, je suis de nuit. Ce soir de nuit. Ok, nice. Les gars, s'il vous plaît, derrière moi. Ouais, mais ah bah, on est loin. Il monte par la droite, il va monter par là. Ah ouais, mais c'est encore plus loin. J'arrive. Ah ouais. Je vais lui mettre une tête. Je vais prendre le ballon, je vais lui mettre une tête. Regarde. Trace. C'est juste de le voir. La prime qui arrive sur moi. Et là. J'ai un ballon, je le lâche. Ah non. Oh là là, plus rien. Il a plus rien. Il est à terre. Il est à terre derrière le rocher là. Ok, sur moi maintenant. Merci. Tiens, sur toi, Dodo. Ah bah, ils sont juste devant moi, mais je sais pas exactement où. Du coup, comme je veux pas assumer de faire des kills et que j'ai peur de mourir, et ben je donne des kills. Ah, très bientôt. J'ai encore un drone, s'il faut. Le but, tu peux en prendre un. Ils ont pris une caisse. Ouais, c'est break, c'est du break. Je vais leur mettre combien de balles? Oh, j'ai raté le rocher. Il y a là deux. Oh, j'ai raté le rocher, j'ai envie de pleurer. Je suis en haut, toi, Fanzi. Au-dessus de moi. Je suis mort. Merde! Faut pas rusher avec le sniper, faut que je reste derrière en vrai. Je viens de voir la vitesse à laquelle je le sors. Waouh, c'est pas possible. Tenez bien.
Tu l'as vu dedans en haut, je l'ai pingé. Ouais, je l'ai vu. Une balle. Je l'ai pingé aussi. Derrière toi, derrière toi. Il a un truc de rage. Ah, oh, je peux pas. Oh, il me tue en l'air. Ah non, Philippe. Oh, ça va passer, je crois. GG. Au point de cul. Il est à ta gauche, Fandi. Dans ce spawn à ta gauche. Hop, il vient en face de toi. Oh, il passe à ta droite. Milieu, middle. Oh. Par contre, on en parle que j'arrive pas à utiliser. Gauche. Oh. Ok, je vais faire attention à gauche. On va aller dessus avec les deux. On va voir la zone à l'heure. C'est un sérum de rage là-dessus. Waouh. On va pouvoir devenir enragé. Enragé. Arrête, ça marche bien. Le pire, c'est que ça marche bien. En fait, ça te booste, tu marches plus vite, tu j'ai une extraction imminente. Bah là, ils vont prendre le ballon, à mon avis, sur notre gauche. Bah, s'ils le prennent. S'ils l'ont pas pris, ils sont juste là devant toi, attendu. Personne qui meurt, Steve. Là. Ah, je suis repéré. Et j'ai perdu. Là. De l'autre côté là-bas. Ah c'est crack. Devant toi, fonce juste devant toi. Pas d'odeur, son bas. J'ai qu'une petite mitraille. On arrive. Oh dans moi, j'ai la hauteur. Fonce. Je vais te back. Ok. Je back. Ah. Ils ont réussi à prendre la hauteur. On va se faire flinguer. Attends, j'essaie de déconner. Moi je back avec Dorian. Non, pas avec Dorian. Ça prend la hauteur encore. Plus beaucoup de mine, les gars. Je la prenne sur eux pour pouvoir ouvrir. J'ai une boîte de plaque, attends-y si tu veux. Je vais devoir la larguer. Je vais prendre fantôme. Plate. Go plate. Ah, j'arrive. Il y a un gars dans les airs. Oh bon, on peut le faire. Des mecs au-dessus de moi. Là, il y a des mecs là. Inverse. Mon éternuement, c'est le bruit du space 12, on me dit. C'est parce que j'ai voulu le retenir. Hein. Flingue-le. Dans le bat, les gars. En bas de plaque. Où il fait pour être sur moi? Sur moi. Philippe en bas. Il est en train de jouer. Ok. Ok. En haut, j'ai besoin de ces balles. Prends 10 boîtes de plaques sur moi ici. Il peut aussi. Là. Ça va être là. Une balle derrière. On chope, ça va rien. Nice. Du space 12. Filippo, faut que tu redescendes. Ils ont la hauteur sur toi, ils vont te fumer. On a la zone. Ouais. On a la zone. Filippo. Oh, j'en ai un là. Je l'ai plus. Il a été obligé de sauter. Il y en a un tout seul là. Hein. Je l'ai fumé par là. Pingé, il est tout seul, les gars. Tout seul là. Oh là là. Attends, qu'il y a une kill en plus. Ah, ouais. Ça me dit du coup. Ah, mais pingé, il est tout seul. Il est derrière toi, en fait, Filippo. À gauche, ouais, je cherche. En haut de Filippo, ils sont 4. 3. Ah, ils ont pris le ballon, je crois. Vous avez pris un ballon.
Ouais, ici, en l'air. Je... Oh, ça me... Tiens, ils sont en face de moi. Ils sont pingelés, pingelés. Alors, replacez-moi en zone. Ah. Ouais, moi je replace en zone aussi, la même. Ah, dommage. Ah, pingelé, je le savais, mais... Ah, il était loin, lui. On vise à gauche, on vise à gauche. Ouais, derrière. Ouais, wow. Félicitations, Darius, on a bien joué ensemble. On a repéré un brouilleur de radar et notre zone. Même si ils sont placés à des endroits où je n'ai pas la moindre idée. Ah, ça nous pêche à droite et à gauche. Ouais. Bah les couilles, je pars avec. Hein. J'en ai eu deux, hein, mais ils sont 4 contre 1. Enfin, et là, du coup, ils sont 2 contre 1 maintenant. Putain, j'ai bien aidé le dernier quand même, hein. Il a intérêt à gérer. Hein. Oh, il gérera pas. Il met une frappe en balle sur eux. Dop, dop, dop. Là, j'ai un éternuement plus agressif d'habitude. Normalement, je pars dans les tout, mais après, je maîtrise pas tout, donc. Nouvelle atout commando, c'est quoi ça? Merci mon Blugrana. Blugrana. Jesus. Étirement les gars. Il y a une différence entre la version PC et console au niveau gameplay, fluidité et tout. Bah t'as tout dit. Niveau gameplay, il y a la FOV en plus. Ça veut dire qu'on passe d'un écran à 80 et sur PC on peut monter jusqu'à 120. Donc on voit plus. On voit avec un écran plus large. Fluidité, bah forcément, les consoles de jeu ont des cartes graphiques ou des trucs ça moins puissantes que certains PC. Donc oui, être sur PC, c'est quand même un avantage considérable. Fidèle depuis le premier confinement. Ça qui est bon, mon Blugrana. Ouh, ouh. Tu fais pas par contre, ok? Enfin, à chaque fois tu vas me baiser mon canapé toi. La Series X gère le 120 FPS je crois, mais j'ai pas encore testé sur Warzone. En fait le truc c'est que sur PC on peut gérer le 120 FPS avec la FOV. Alors que les consoles elles gèrent le 120 FPS à leur maximum. Tu vois? Nous on a une moyenne à 120, donc des fois on monte à 150, des fois on redescend à 100. Eux, ils ont là un maximum à 120. Ça leur fait une moyenne à 90-100, à peu près, tu vois. Moi, je joue manette, ouais. Que nous quand on se déplace, voilà, regarde, moi je suis à, j'ai pas une grosse carte graphique mais je suis à voilà 100-150 quoi, tu vois.
Bah tu veux voir la différence? Je vais te montrer la différence, Tony Stark, et tu vas juger par toi-même. Ça c'est trop bas, eux ils sont sur 80. Voilà, ça, regarde la carte, hein, regarde bien la carte. Hein. Ça c'est comme ça qu'on voit quand on est en 80. Maintenant on va faire un truc simple. Voilà comment on voit quand Tena s'en va. Imagine qu'en combat c'est pareil. Est-ce qu'on irait pas à pic nous? Ouais, ouais. Ma carte graphique c'est une 2080. Tu vois moins loin du coup, ouais, tu vois moins loin du coup, ouais. Tu vois un peu moins loin du coup, mais du moins faut être mieux concentré, tu vois. T'as quand même des avantages, tu vois. Mais regarde. Attends, je vais mettre un endroit safe, ok. Je vais essayer de prendre un angle de vue un peu particulier, genre ça. Tu retournes à 80. T'as encore. Ok. Tu vois bien où est-ce que je peux voir sur mon écran, tu vois. Si un gars qui arrive sur ma droite ou ma gauche, je le vois pas. Un mec qui arrive à la porte, je le vois pas. Alors que là... Tu vois, je peux voir le mec à ma porte qui arrive. Je peux voir si un mec à ma gauche, à ma droite, etc. Ça change quand même énormément. T'as beaucoup plus de visu, tu vois. À longue distance, oui, tu vois peut-être un peu moins, tu vois. Mais... Ça vaut même pas où je suis. Il y a plus d'avantages que de défauts. Tu vas changer pour une 6700 XT. Si vous voulez, les je gars. Je connais pas du tout les cartes graphiques 6700 XT. Cet argent là. Je sais pas où je suis, moi, les gars. Je sais pas où je suis, ouais. Les gars, je suis perdu. Frère, je suis dans un deuxième bureau avec un piano. Je fais du piano, les gars. Oh, je suis pianiste. J'ai laissé les sous au champ. Même la sensibilité elle est différente, c'est à dire que tu vas aussi vite, mais regarde, je vais te montrer un truc pourquoi ça change tout. Quand tu es à 80 comme les joueurs console, regarde bien ma jouabilité. T'as pas l'impression que je suis lent? Là je joue en mode console, tu vois. Je vais à la même vitesse, hein. Tout est pareil, les gars. Tu vois? Il monte sur moi. Crac. Il est team ici, là, ici. Ok, c'est ouf, hein. À terre, à terre. La fluidité elle change tout. Comme rouge, une rouge, une team. Complète. Blanc. Inter. Là, il y en a un inter. Ocean. Là, dodo. Ouais. Juste derrière le ah, ballon. Je l'ai achevé. Ok, j'ai. Ah, sûrement. Il y a son pote à côté. Garenko, c'est fort. J'ai fini un. Il y en a deux à terre derrière le truc là. Je marque notre prochaine destination.
Non, j'avais fini un normalement. Mais il y en a encore deux. Attends, non, il monte. Ok. Merci, sapateur. Une balle. J'ai plus de balles, moi. Il est... Il est très loin, il est très loin. Non, il est surplaqué. Il y en a un que j'ai pas eu, là, ici, arrière. Non, tout le monde est mort. Ah ouais, ok. Il y en a un qui est arrivé. Sur moi. Oh. Là. Ah bah c'est bon, j'ai eu mon kill. Ah, il y en avait bien un qui est encore à terre, les gars. Allez, sérieux? Mais oui. T'es en 1080 ou 1400? 1080, je crois. 1080, mes résolutions. C'est quoi ce truc là? Après, ça c'est par rapport à ton écran et tout, ça c'est tout là. Moi je fais pas. La plupart du temps, Tony, j'ai beaucoup. J'ai quasiment tous mes paramètres en par défaut, quasiment. À part deux trois détails. Vous avez pas, mais faut payer pour l'avoir donc. Ouais, voilà. C'est 10 000, mais il y a des spécialistes à la fin dedans. Le spécialiste. Oh, il jouait quoi? P90, c'est gros. ZRG Strela, mon gars, Strela. J'ai acheté un drone. Il a acheté un drone. Hein. Quoi, ouvrier? Je suis direction absent. Niveau 106, je suis à que dalle. Je suis à. 5-5. Et la surveng, ça c'est. Je suis à 5-5. Ça sert à quoi la surveng? À être enragé. La surveng, c'est ça. C'est pour. C'est pour le Covid. Littéralement. Allez, viens. T'as acheté un drone, tu peux pas l'activer le drone? Il est devant toi, mais où? Il a sauté ou quoi? Non. Il est sur nous là. Il est là. C'est quoi comme manette? PS5 classique branché à mon PC. La base, tout du naturel. Ouais, naturel et rose. Un bon petit cochon. Un bon petit cochon. Il faut des balles, putain, j'ai pas de balles. J'ai un tag à l'effigie de Doriaz, regardez. Ouais, t'es vraiment le petit cochon, c'est ça? Ça, c'est Doriaz. Je ne vois personne. Si on a 10 000, on peut le faire, hein, leur truc là. Il y a full spécialiste, ça peut être pas mal, hein. T'es à 12 en 106 sur PS5. Quand vous passerez un jour en 120 FOV, parce que soi-disant les consoles vont avoir 120 FOV, etc., etc., vous allez devoir revoir vos sensibilités, les gars. Vous allez voir que c'est pas pareil. Je jouais en 10-10, il me semble, sur PS4. Ouais, c'est ça. J'ai tout, quasiment tout divisé par deux. Bah ouais, la FOV, les gars, ça. Ah là, on a 10 000, on peut acheter le. On fait le Special One. Ah, les gars, vous avez du mal. Juste que moi, je suis à plus de 200 mètres. Une manette qui se marie à ton éternuement. C'est ça. C'est une manette adaptée. Quand j'éternue, je devrais montrer ma manette. Achou! Cinq mille palos, les gars. Oh, sur moi. I'm dead. Ah bah oui, mais c'est pas que... Ah non, mais j'étais super une commission. Laisse mes cartes, les gars. Le t-shirt. Il est même pas rose, mon t-shirt. En fait, mon t-shirt, il est rouge. Mais en ce moment, ma caméra, regardez, il y a une fluidité de... Je sais pas quoi, là, je sais pas, il y a une espèce de filtre dessus. Kawaii. En haut de nous. Ah bah... Waifu. En haut de pique. En haut. Moins un, mais... Ah voilà, j'ai skiffé ça. Tout le monde aura skiffé ça.
Oh, dans mon dos. D'où tu viens, toi? À terre, là-haut, si vous avez une frappe. Oh, j'ai tué. Ah oui, je vous ai pas dit, mais il y a des mecs qui vont nous attaquer, là. Ah ouais? Ouais, j'ai oublié de vous dire. Ah ouais, c'était un détail. Pour le rien. Pas encore. Quand tu veux. Merci. On récupère drone amélioré, pré-science, des spécialistes. Vous voyez? Ça va. Vous voyez ou pas? Des mecs à pique. Des mecs à pique. Le chef de pique. Des mecs à pique? Pika pika. Et les mecs à pika. Par contre, il faut les armes. Y'a. Y'en a un qui est là-haut. Vous avez vu. Mon pote, il est break. Putain, il passe pas le ballon. Magnifique celle-là. Oh, magnifique celle-là. Oh, magnifique celle-là. Oh, magnifique cette action, les gars. Ça, c'est beau. Ça, c'est clippé, ça. Vous voulez voir du beau jeu? On en a vu du beau jeu. Il y a des gens là. Très beau rush. Ah ouais, là, je vais pas vous mentir, là, j'ai kiffé là. Je serais pas tueur de t'auto-soucier un petit peu. Écoute. Chacun fait comme il peut. Va pas trop rush, va pas trop rush, Andy. Alors là, c'est mal me connaître. Au cas où. Allez ! Ah ouais, putain, moi je rigole et je fais des conneries. Ah, ouais, merci. Mon premier kill. Les autres sont en bas du coup. Où en bas? Ah, au même endroit. Ne les laissez pas s'échapper. À l'intérieur. On dit pas faire hier. Oh la lave, ça me brûle, mais ça fait rien. Oh putain! Ah, tu peux me la refaire celle-là? Oh là là, ça brûle, mais ça me fait rien. Ça brûle, mais ça fait rien. Il l'a fait d'un air un peu pervers, quoi. Je vous jure, oh là là, ça brûle, mais ça fait rien. Pour le moment, on a bien enchaîné les kills, les gars. Ah ouais, moi zéro. Oh, oh, ça passe bien. J'ai bien enchaîné. Non, mais... Un, ça passe bien. Ah, par contre, on se sépare pas, les gars. Je balance une frappe de surplus, les gars. Tiens, auto-res. On se sépare pas, mais on va s'approcher de la zone, parce que la prochaine, en vrai... Je l'ai, j'ai lâché 2000 là. Tu dis pas qu'on aille là, genre? Ouais, Tony, je t'avoue que. Même toi qui n'as pas joué depuis longtemps, tu le récupères dans les mains. Ça
ça passe crème. Vraiment, il passe crème. Quoi, le Grenko? Ah ouais, le Grenko, il n'y a pas besoin d'être bon, mon gars. C'est, tu tires et ça marque. Tu marques un but. Comme la DMR avant, ça. C'est comme... Ouais. Sur toi. C'est trop fort. C'est trop fort. Non, pas moi. Moi, je suis pas trop fort. Il a un drone d'éclair. Non, j'ai dit c'est trop fort. Je précise. Moi? Non, je sais que je suis fort, mais c'est pas trop fort. Enfin, je suis pas trop fort. C'est pas grâce à moi. Un largage là-bas. Regarde, il y a du monde. La ping. Je suis fatigué. C'est possible d'avoir la classe? J'ai simplement récupéré une variante. En dessous de nous. Ah non. Prends de l'argent s'il vous plaît, comme ça je peux acheter l'autoréa. Restez sur vos gardes. L'équipe ennemie vous traque. Derrière nous. Gauche. Drone allié en survol. Non, je crois que. J'ai modifié des trucs à la con, mais j'ai pas encore prévu la classe. Je crois que j'ai mis le chargeur de 10 où il était déjà et. J'ai dû changer le viseur, je crois aussi. Sur le chapelet, les gars. C'est des petites broutilles, tu vois. Je l'ai pas encore vraiment monté à proprement parler, tu vois. Tiens, regarde, je te mets une frappe sur eux. Doria, si tu veux essayer de gérer. Oh, y'a un mec avec moi. Ok, il me push sale. Mais attends. C'est pas toi, regarde la tête. Regarde derrière. Vous avez derrière où, les gars? Continue à prendre la ligne, sur le garde. C'est en haut, putain. Je vois pas. Mais c'est là. À terre. Bien joué, ça. Ça va te traiter de cheat là. Il est toujours là. C'est rare. Il a pas la vie. Non, là, il a pas la vie. Vas-y, dans mon dos. Toi, à ta gauche. À terre. C'est incroyable. Ah, regarde, tu l'as eu ou pas? Non. Oh. Bonne journée, merci beaucoup. Tu as testé la nouvelle arme? Ouais, j'ai testé un peu, mais pas mon délire. Et je vais la monter, je vous la montrerai. J'essuie des tirs. Soldat ennemi à proprement. Bam. Magnifique ça! Bamba, il rentre dans la maison. On connaît la zone finale, on aurait dû se placer. On a pas un ballon là qui traîne? Allez, je meurs pas. Si je meurs. Oh la pute. Je suis dans le carré de boulot. Camion sur vous. Magnifique ça! Ici c'est fou de quoi? Tout ça? Vous avez un visu sur le largage? Fadji, tu es seul, Fadji. Ici. Bien dommage. Il nous faut un ballon, on passe en zone, les gars. Mort. Oh putain, une remise. Ils sont au snipe, ils me visent. Fais attention dans la maison blanche. Ils sont au snipe, ils visent. Ah, il m'a mis. Mais non, il me voit bon, pas se coucher. Ah non, il te voit pas là. Ouah, full snipe, ils sont. Putain.
Faut quoi faire? Pourquoi j'ai pris un skin avec un bonnet rouge aussi? Surtout pourquoi vous avez été à la maison, les gars? Comment ça, quelle maison? J'ai avancé, mon gars. Non. La maison blanche, la maison blanche. Et on peut pas la prendre, la maison blanche? Non, non, non. Je peux rien faire, gros. Je me fais juger, je suis à 18 kills, quoi. Moi, quand on fait les gars, je peux. Chut, t'as les buissons, gros. Désolé. Ce sera bien battu, quand même, les gars. Oui, ouais. Game. Merci, merci beaucoup. Merci pour le game. J'étais à 18 quand même. On aura bien rigolé. Allez, merci, monsieur. Ça brûle. Allez, ciao tout le monde. Allez, ça brûle, mais ça fait pas mal. Ciao les gars, bonne journée. Ciao, okay, fun, ce gars est bizarre. Ce gars est bizarre. Bien, j'ai coupé un fil d'un. J'ai une poche là. Une poche à mettre un casque. J'ai dû couper le fil parce que l'aspirateur est rentré dedans, ce con. Salut, salut, Dorias qui attend là. Eh, mais oh, il est toujours nouveau là. De toute façon, il n'y aura pas Maximus, il a arrêté. Oh, je suis déçu. Il a dit. Je me suis fait éjecter alors je suis arrivé premier. C'est mort. T'es fait éjecter alors que t'es arrivé premier. Oh, il est pas arrivé premier. Sur ma liste, il était pas premier. J'ai mal dû regarder, je pense. C'était ah, Sapato le premier. Non, Sapato était premier. Ah voilà, si il ment aussi, moi je peux rien faire. Moi. Ouais, je suis d'accord avec toi. 67. Exactement. C'est un mytho, toi. Par contre, les gars, je préfère le dire tout de suite. J'ai. Je dois partir à midi. Hein. Ah ouais. Donc, à mon avis, on va pouvoir faire une game si on fait une bonne game. Mais après, je suis obligé de bouger, les gars. Et en plus, c'est pour. Bah, bouge alors. Bah, c'est au cas où il y a quelqu'un qui voulait rejoindre. On a encore 20 minutes. Hein. En toi, tu dis si on fait une bonne game, il y a MEO dans la team. Game. Pas en trio là. C'est ça, je suis au niveau. Oui, tu as mal, plus nul que Dorian. Alors, tu sais, Maximus, si t'es déçu à chaque fois des gens qui voient mal, ben, je pense que tu as un gros souci avec les handicapés aveugles déjà. Donc, ça, c'est très très grave ce que tu fais, Maximus. Tu vois, ok. Ça, c'est un premier truc, tu vois. Lui, il est déçu quand il voit quelqu'un avec un bâton dans la rue et des lunettes noires, tu vois. Bravo, non, Maximus, t'es comme ça en fait, toi. Mais c'est très grave hein, ce que tu fais là. Vraiment, tu réfléchis pas. Tu réfléchis pas là, ce que tu fais. Hein. L'agro, Pandi, l'agro. Le Gorenko, Maniman, le Gorenko. Quoi, c'est le retour de la Métagro? Alors, je crois qu'on dit Métagrosse, non? Je savais que t'allais la mettre. La mettre? La grosse? Non. Ouais, la grosse, ouais. Ouais. Je vais pas mettre ma grosse. Par contre, t'aurais dû lancer un quatuor, enfin, sinon ça va être trop facile en trio. 3v3, c'est du cheat pour nous. C'est du cheat. J'ai entendu des bêtises, mais ça. Les pauvres sont handicapés et déjà bien voyants.
Qu'est-ce que c'est que cette phrase? Vérifiez bien votre équipement. Ou sinon, je vais la déposer à la gare, j'en ai pour une demi-heure. Je la dépose à la gare et je reviens, et en attendant, il y a mon live qui tourne dans le vide si vous voulez. Oh non! Un ennemi atterrit dans la zone. L'entraînement est terminé. Il est temps de vous déployer dans Warzone. Je laisse le lead. Franchement, s'il y a une bonne équipe qui vient jouer, sans moi, je fais l'aller-retour. Ils peuvent faire un top 1 sans moi et en attendant que vous regardez quelqu'un jouer. Faut regarder Dorian alors. Genre je saute, je me suicide direct. Faut regarder Dorian. Ah non. Je meurs au goulag, je passe en spectateur, je pars, je dépose, je reviens. Je suis certain que la game n'est pas terminée. J'ai quoi? J'ai 15 minutes à la gare. Allez, retour. Sauf sur Gun Dorian. Ouais, c'est ça. Là pour une fois, je dois raison à mieux. Non, mais je vais m'arrêter après. Je vais m'arrêter. Tant pis, je ferai un petit live. Ce soir, on fait déjà un Wager en solo. Ça va être sympa, je pense. Et ce week-end, on va rattraper des heures et tout. Bon, là où, Dorian? La pique? Wow. Et là, il y a un raid avec 300 viewers. Méfiance, méfiance. Une fois, j'ai eu un gros raid. Je sais plus c'était qui. Je crois que c'était un gros raid de je sais plus qui, tu vois. Mais genre, j'ai eu le raid au moment où j'éteignais mon live, quoi. Elle est quoi avec Saxi, justement? Je crois que c'était Saxi à ce moment-là, ouais. Ouais, une fois que t'avais raid, tu disais au revoir, t'étais en train de dire au revoir. Et du coup, t'as refait une game ou deux. T'as raid deux fois, Saxi. Bande de gros noobs. Y'a un bâtard. Hein, hein. Mais je crois que c'est ça en plus. C'est toujours ça. C'est toujours avec ta gare. De toute façon les gars, j'ai une théorie. Salut Enzo. J'ai une théorie qui dit que quand je ne peux pas live beaucoup, ou qu'il y a un petit live ou un truc comme ça, c'est là où il y a toujours du monde, ou qu'il y a des raids, ou que... Toujours là. Derrière vous là, donc je m'y suis fait en vrai. Pas exclu. Non, si je suis spectateur, je suis pas exclu. Non, dans mon dos, en haut. Aïe aïe aïe, pas entendu, je l'ai pas entendu. Ah, I'm dead, motherfucker. Ah mais il écoute mon live derrière et mais oh, il y a un double écho. Ah j'ai trop honte de m'entendre. La ferme. J'ai trop honte de m'entendre. Je comprends si on subit, Fonzi, quand même. Parce que, ben, est-ce que... Attends, tu subis et tu mets le son à fond. Eh, dis donc, hein. Moi je sais pas t'entends pas parce que j'ai mon casque sur les oreilles. Ah mais moi je me réentends derrière, c'est violent. Ah ouais, moi aussi, c'est ça, c'est violent. Dorian se mange un cul! Quel. T'es les gars au goulag. Il l'a coupé, tu l'as tué. Quoi? Je dirais le mur. Si vous gagnez, vous repartez en première ligne. J'adore. Je le connais pas du tout, c'est la première fois que je fais ce goulag. Ah bien joué, bravo, t'es trop fort. C'est le même que le premier goulag. Moi j'ai mis mon masque comme si je sortais d'une soirée déguisée là. Oh bien joué. Bon bah désolé les gars, on va devoir s'arrêter là. Allez, ciao ciao. Mais clip clip clip. Clip, clip, clip.
Mais avant ça, clip, 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 les gars. On a encore 15 minutes avant que je m'en aille. Donc, vu qu'aujourd'hui, on fait pas de midi et deux, je suis désolé. On va rapidement clipper, clipper, clipper. Quel est le clip du jour le plus stylé? Celui-là, il m'a l'air vraiment pas mal, je crois. Ok, ça c'est pourri. Là, ça passe bien, là. Hop. Ouch. Magnifique, celle-là. Hein? Y'a que 30 secondes? Mais non, 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 non. Romain, il l'a clippé aussi, non? Vous avez vu. Attention, les gars. Ok. Ça, c'est celle du jour, je pense. Ça, c'est bon, ça, c'est bon. Ça, c'est quoi? C'est... Non. C'est... Ah, donc, y'a qu'un clip aujourd'hui. Ok, y'a qu'un clip. Celle-là, elle est pas mal, je pense. On va la regarder en entier. Vous avez vu. Putain, il passe pas le ballon. On peut pas cut ça, ce moment-là, un peu gênant. En vrai, le début, vu qu'il se ranime, ça sert à rien. Hop. Oh, magnifique celle-là. Elle est belle. Hein. Oh, magnifique cette action, les gars. Elle est pas mal. Elle est pas mal. Je pense que c'est l'action du jour. Hein. On va pas se mentir. Elle est carrée cette action. Hein. On la balance sur les réseaux. Let's go. Elle est envoyée sur les réseaux sociaux. Elle est envoyée sur les réseaux sociaux. Oh, magnifique cette action, les gars. Oh, magnifique cette action, les gars. Parfait. On balance ça. Le clip est rendu. Yes, celle-là, elle est belle. T'arrives, tu poses le ballon. Poum, j'arrive avec le sniper dans les airs. Pas une tête en moins. Tac. Pas deuxième machin. J'esquive. Je passe derrière une caisse, le mec est dans son truc, full sniper. Très très beau. You ready? Ah, t'as l'air déstressé déjà. Elle est stressée, elle est un petit peu stressée. Elle est persuadée qu'elle a oublié un milliard de trucs. Puis il y a moi qui suis en live 10 minutes avant de partir et de se dire oh putain. Comment ça va vous sur le chat? Il nous reste 10 minutes tant que la vidéo elle parte. Parce que j'aime bien qu'elle soit rendue avec vous. Donc voilà, entre midi et deux, je ne serai actuellement aujourd'hui pas là. C'est exceptionnel, mais je ne suis pas là aujourd'hui. Mais on se retrouve quand même ce soir. Ce soir avec les inscriptions. Pour le moment, on est combien là? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il reste une place pour les Wager de ce soir. Si vous êtes chaud. On va mettre inscription close. Anto. Jojo. Tom,
FR. Marvelous. Lolo. Et je vais rajouter Maximus. Voilà, Maximus, tu vas le faire quand même. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Est-ce qu'on fait un tirage au sort, les gars? Je fais un tirage au sort, juste pour connaître les poules. On va faire deux poules. Attention, je sors le tirage au sort. Je vais juste rapidement download ça. On va juste faire copier-coller. On va faire enchaînement au Garenko. Faire un tirage au sort pour connaître les poules. Ça va être important pour la suite de l'aventure. Tac. Hop, on va juste récupérer quelques petits hashtags. Et on publie. Hop là. Ensuite, les noms de ma liste, c'est eux. On va rajouter des virgules. Hop. Qui va jouer contre qui? Ça va être intéressant, ça. 8. Et on va faire un tirage au sort. Alors. Maximus en premier, tiens. Comme par hasard. Inscription close. Hop. Et ça va donner. Poule 1. Pour les Wager en duo 1 versus 1. Arrobase Maximus. Arrobase Jojo. Arrobase Fonzi. Arrobase Anto. Poule 2 arrobase Marvelous arrobase Lolo arrobase FR arrobase TomTom. Ensuite, on jouera premier versus premier de chaque poule et ainsi de suite. Voilà, c'est fait. Les placements sont faits.
Alors, ça c'est fait. La liste, je l'enlève. Ensuite, voir profil. Ça, on est good. On vient de balancer la vidéo. Nouveau clip qui vient de sortir aujourd'hui. Sur YouTube, sur TikTok et sur les deux réseaux d'ici 15 minutes à peu près. On enlève ça. Et je vous souhaite à tous une excellente journée. Je vous fais des bisous. Et je vous dis à ce soir. Ciao, ciao la famille. Mais pourquoi ça se finit déjà? Y'a pas moyen de prolonger ça. Voir à tous mes soldats, mon ventre dans sa capoeira. Mais pourquoi ça se finit déjà? Y'a pas moyen de prolonger ça. À voir soldats, mon ventre dans sa capoeira. Au fait, capitaine, j'ai pas mon permis. Oups. Mais pourquoi ça se finit déjà? Y'a pas moyen de prolonger ça. Voir à tous mes soldats. Mais pour...